Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bonsoir à Tajari, bonsoir Marc, bonsoir à ceux qui sont présents, bonsoir à ceux qui regarderont la rediffusion, mais également vos petits copains sur YouTube. Nous sommes samedi soir. Et comme vous l'avez entendu... Salut Adrodin. Salut. Salut Gabark. Salut Gabark. Salut. Ce petit bonhomme, Gabark. J'espère que vous allez tous très bien, et comme vous l'avez entendu, je suis accompagné de Falcat. Salut. Que de Falcat. Falcat que je ne peux pas blairer, bien sûr. Petit clin d'œil. Oh putain. Et t'es où mon poulet que je te vois même pas? Je suis au... Bois Noir. Tu veux qu'on se rejoigne là-bas? Ouais. Alors ce soir, nous allons aller justement faire des donjons publics. Parce que comme vous l'avez compris, nous sommes une équipe, comment dire... De deux. On est très réduit, voilà. Puisque Julie est en compète et Monsieur Gavard qui est en train de fuir le pays. Voilà. Concrètement. Non, mais il vient voir de la famille, hein, c'est pour la banne. Tu vois, maintenant je me méfie. Maintenant, avec les équipes, les teams premier degré, maintenant je me méfie. Salut Rio. Et on espère tous que son avion s'écrase, bien sûr. Oui, mais tu as réglé tout ce qu'il fallait pour l'avion, tu oui, vois. Oui, tout est fait, tout est prêt. Corsica Libra. Il a passé de fuel. C'est bien. C'est une méthode simple mais efficace. Il devrait s'écraser au large du Portugal. Normalement, si tout va bien. T'as bien calculé? Oui. Bon, je te fais confiance en calcul. Moi, je suis une chèvre, hein, donc ça devrait aller. Alors attends, parce que j'ai peut-être besoin de claquer un parchemin, je sais même plus. Ouais, il faut que je claque attends, un. Attends. Tu préfères attendre? Ah, devant le donjon. Ouais, pas de soucis. Bonsoir Maximus. La bouffe. Fort d'une vaillante armée de deux, ils partirent à la conquête du monde. Ouais, alors on va pas partir à la conquête du monde. Voilà, on va pas se partir à deux, c'est un peu short. Mais on va faire ce qu'on peut. C'est déjà pas mal. Voilà. C'est bon. Allez, c'est parti. Oui, ça va, je te remercie bien. Et je rappelle, pour les membres de la guilde, qu'il y a un event de guilde en préparation, organisé par Julie. Et qui est vraiment très très chouette. Voilà. Et toutes les modalités... sont affichées sur le Discord. Sur Discord. Ouais. Ah d'accord, tu prends pas. Ok. Moi je prends, ça fait du pognon. Quoi, le jute ? J'atteins les 7 millions. Oh, félicitations. Merci. Je suis riche comme Crésus. J'aime celle-là beaucoup de cette expression. De quoi, Crésus? Ouais. Je laisserai à ceux qui s'intéressent, justement en termes de connaissances, pour l'explication, cool, ils découvriront. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est tu pas ça faire que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Mais ça, c'est ton reroll argonien? Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est l'argonien. Que tu m'as dit que tu kiffais. Ah oui. On s'appelle de nager avec. Ah oui. Et de combattre aussi. Oui, non, mais au-delà de combattre, bien sûr. Il en va bien. Oh, bonsoir Émilie, comment vas-tu? Ma notification était en retard visiblement. Moi je te rassure, moi j'ai mon OBS apparemment qui merde en termes de stats et de beaucoup de choses. Il s'est arrêté à 5 secondes. Voilà. et nous sommes 9. Putain, bonjour, je te jure. Bonjour les 9. Ça c'est dans nos têtes respectives. Hein. Non, on n'a pas de soucis. Putain, je te jure. Alors, j'espère que mon OBS va pas déconner non. Mon Streamlab va pas déconner non plus, parce qu'à chaque fois. Tu sais ce que j'ai aimé la dernière fois, c'est pareil, je lance le live et oh surprise, j'ai mon Stream Deck qui marche plus. Donc, donc j'étais en train d'appuyer sur interface, ça je lançais pas. Et pareil pour tout ce qui est audio, etc. C'est rigolo. On prend la 4K ici? Ouais. On l'expédie. Ouais, c'est difficile. Ouais. L'enclume dorée. Voilà, c'est fait, l'enclume dorée. Allez. Feu. Je suppose que tu l'as déjà fait avec les autres. Avec tes autres persos, non? Ah oui. Ouais, d'accord.
Salut Alexis, bonsoir Dorbatchev, j'espère que vous allez bien également. Attends, accorde-moi une seconde, je voudrais voir un truc qui me perturbe depuis tout à l'heure. Ah ouais, non, il a planté. Ok. Non mais j'aime bien, j'ai un outil statistique à planter, c'est bien. Ouais, c'est je te dis, là on est 13. Sale. Bon, on n'est pas vraiment 13, mais... Trace de Gavos ou de l'enclume. Bon, objectif, on leur pète Ah la mais non, gueule, mais moi après. c'est même pas le chiffre qui m'intéresse, c'est le compteur. Pas le compteur, que ce soit pour les follow ou autre, Certains tu vois, des c'est bâtiments et des le étals timer en paraissent fait. intacts. Ah oui. Commençons par là. Tu as sorti, Miri? Je l'ai pas, avec ce personnage. Bon, pas grave. Il faut parler à machin. Bouge pas, machin. Attends, parce que lui, il arrête pas Cette de histoire bouger. de l'abbaye et de sa chute reste nimbée au bazar, bien sûr. Comment ça, y a pas les emotes? Ah, tu vois, je te dis, y a tout qui déconne. Y a même pas les Ah. emotes. Non, non, bah alors c'est Twitch qui déconne, ok. Pas possible. Je ne comprends pas une plateforme aussi stable. Oh oui. C'est quand même... Avec des gens bienveillants. Des gens polis et courtois. C'est ça. J'ai oublié de tu prendre le peux prendre parchemin, ouais. Oui, tu peux prendre le parchemin. Tu vois? Bon, Non, après, c'est je pas prends très lequel? grave. Le 150 ou 50? On va prendre le 50. T'es sûr? On est que tous les deux, donc on va bourrer Tu en as beaucoup de. Le 150? Non, j'en ai qu'un. Eh ben, 50. Allez, on va pour 50, c'est parti. Allez. Non, ça déconne Twitch ce soir, il m'a refusé 10 fois l'accès à l'écran modo. Ah bah tu vois. Non. Ah, je pensais non, que ça mais ça venait de c'est moi, parce mais en fait pas du tout. C'est parce que tu es plus modo, hein. T'es viré. Tu sais, d'habitude je fais ça beaucoup plus délicatement, mais bon. T'as raison, le coup du sparadrap ça marche bien quand même. Ouais, voilà. Ah pardon, je te parle, mais en fait je te déteste, enfin, je voulais te dire. Ah oui, c'est vrai, pardon. Connard. Petit connard. T'es où? Mais ah. Ah t'es là, là. D'accord. Okay. On va faire, en fait, Twitch on va qui faire rame une... chez moi comme d'hab. Attends, je vérifie. Ban Falcat 68. Appliquer l'ordre 71. Ah mais c'est ça, Emily. Il faut que tu me fasses un emote ordre 71. Ah oui, ton argonien, il envoie du steak quand même. Ah oui, il envoie du pâté un peu. Et il soigne. Et il soigne. Encore le mien, j'ai pas l'impression qu'il les mérite, tu vois. Mais honnêtement, j'ai hâte de passer le palier quand même. Ah oui, non, mais après. Là, il faut aller voir. 71, c'est pas 66? Ils sont mignons. Gavos ne devait pas c'est être mieux, très 66. Apprécié pour que ses propres soldats se retournent ah. contre lui. Comme ah oui, c'est vrai que dans les donjons publics, on peut pas les partager les coffres. Merde. Non. Désolé. Ah non, mais c'est pas un coffre. C'est un coffre de merde. Hein. Oui, je sais. Oui, mais ça vient. Je viens de reprendre un coup de calcaire, c'est pour ça. Non, mais c'est pas un coffre où tu peux gagner du XP. Oui, mais je viens de le constater en fait. Mais dans les donjons publics, on peut pas partager les coffres. Ben non. Ben voilà. Salut Elien, comment vas-tu? Même pas sur la 20? Ah non, avec monsieur Jackplay, on l'a fait hier soir. Et lui il reprend solo dimanche soir, si je dis pas de bêtises. Et il vous aurait donc là, une coop au possum sur Seven Day to Die, parce que vous êtes vachement nombreux à l'avoir demandé, et il est évident qu'on aime vous faire plaisir. Voilà. Toi t'aimes bien Seven Day to Die, Falcat? Vite fait. Ouais? Ouais, vite fait, vite fait. C'est pas ta came les jeux de survie, j'ai l'impression. Toi, t'es plus jeu de gestion, stratégie. Ouais. Ouais, stratégie, ouais. Voire grande stratégie. Oui, mais quand je dis stratégie, je pensais à des jeux vraiment, tu vois, des classiques de Paradox, par exemple. Voilà. Hein, je pensais pas forcément à Total War. Ouais, à coffre. Total War. Ouais, vas-y, parle. C'est dommage parce que tu vois, lundi et mardi, je teste Icarus. Je connais pas.
Jeu de survie. Jeu de survie contre l'environnement, où tu joues un prospecteur, ça a l'air pas mal. Mais apparemment, il est buggé violemment. Ouais, méfiance, il est là-bas. Ouais. Parce qu'il est violent. Ouais. Très violent. Ouais, ok, voilà. Ok. Je... Allez, c'est parti. Enfin, à l'époque, il était très violent. Voilà. Ah ouais, il... Ah oui, il a picoté un peu, ouais. Ouais, il est violent. Oula, qu'est-ce que tu m'as balancé, pépère? On va voir si tu vas aimer ça. Bon, trompé. Ouais, je l'ai pas vu, je l'ai vu arriver, mais trop tard. Non, on laisse tonton. Oh. Oh, ça devrait passer, mais. Ouais, mais il faut qu'on bouge. Non. Je crois qu'il a bugué. Ouais, c'est bon. Oh, oh. C'est fait, là. Oh, j'ai trouvé une pièce d'antiquité, trop bien. Coucou Julie, comment tu vas, ma belle? Vivement lundi. Ah oui. Vivement bonjour, lundi. Bonjour, Julie PZ. Bonsoir, Julie PZ2. C'était pas le boss. Tiens, on n'a pas pris de points de compétence là. J'ai étonné. Ouais, non, j'ai rien gagné, à part les points d'expérience. Mais non, non. Je suis étonné. Je croyais que c'était le boss. Bon, après, j'ai pas fait la gueule, j'ai looté une piste d'antiquité, donc... Oui. Oui, c'est toujours... Bon, c'est toujours bon à prendre. Attention, le studio d'Icarus a mauvaise réputation sur le suivi de leur jeu sur le long terme. Ouais, je sais. Je sais, je sais. C'est pour ça que je ne l'ai affiché que deux fois, et encore, si vraiment c'est littéralement injouable, vous inquiétez pas, on le fera qu'en un live. Voilà. Après, si je vois que effectivement c'est jouable, on le fait deux fois... J'attendrai probablement des mises à jour, mais Ah, c'est dommage que... C'est vrai que tu sois pas trop fan de jeux de survie, il a l'air vraiment sympatoche malgré tout. Ouais. Ça m'a... Il y a une certaine époque, oui, mais là... Tu t'es lassé? Je sais pas. Ouais, ça m'a saoulé. Bon, j'attendais un an avant de le prendre, alors... Quoi, Ark? Ark m'a... Ah m'a oui, dégoûté. Ark, oui, oui, Ark, non mais c'était juste effarant. Alors en même temps, c'est vrai qu'on en était arrivé à un niveau où c'était écœurant aussi, hein, en termes de farm et tout. Hein. Ah oui, c'est... Tu farmes comme un débile. Hein. J'ai fait les bêtas d'Icarus, mais même si je l'ai pris, je sais pas, je suis pas super convaincu, un peu peur que ça soit vide. Bah écoute, moi pour ma part, je vais quand même lui laisser une chance lundi et mardi, si je vois que, sans plus... Je le mets de côté et on attend. Voilà, c'est tout. À l'attaque! Ok. Un tête-à-tête avec Falcat, t'as pris une tisane à la camomille avant le live. Ah bah on... Non mais on s'apprécie pas avec Falcat, mais bon, support toi, c'est tout. Foi, la mauvaise ouais, attends, t'en ouvres bien là. Ah. Voilà. Donc tu voulais qu'on remonte, c'est ça? Ouais. Ah, faire, ouais. Hein. Oui, oui, tout à fait, je valide. Ça va mon Franck, j'ai encore un grand sourire sur les lèvres depuis hier soir. Ah tant mieux, je suis content. Si ça t'a plu, c'est le plus important. Et oui, parce que mon cher Falcat, Julie PZ2, elle a joué à Seven Days to Die avec nous. Il paraît. C'est ce qu'on dit. C'est ça. J'ai toujours aimé cette façon de faire.
Donnez-la-moi. Je veux tout. Ok. Oui, je veux tout l'or du capitaine. Captain Biglouche. Oh putain, mais il fait mal. Ah oui, il fait mal. Alors tu fais quoi? Ah ouais, mais... Ah bon? Vous paierez ce que je vous dirais de payer? C'est pas un peu raide? Ouais. Oh, fin du sketch. Ah oui, tu es décédé. Non mais c'est pas grave, je suis décédé de mort violente. J'arrive. Lui aussi, il est mort. Ah, c'est tout? 734 points d'expérience? Ah oui. Bah dis donc, c'est un peu light, non? C'est surtout sur la quête que tu vas prendre. Et voilà. Ne prends pas au mot, j'ai parlé de réputation. Je n'en fais pas. Attends. N'en ai pas fait l'expérience. D'accord. Oui, non, mais moi je vais le découvrir. Après, qu'il ait une réputation ou pas, ça importe peu. Moi, ce que je veux, c'est le tester. Ah, il y a un coffre. Pour moi, c'est surtout les lumières qui sont ultra galères sur Icarus quand le jour se lève. Pourra. D'accord. Coffre. Oui, j'ai vu mon poulet. Y a ah pardon, j'ai vu, connard, va. Ah oui, c'est vrai. Tu sais qu'il y a que nous pour comprendre, mais au moins c'est drôle. Oui. C'est ça. C'est ton orc DPS, Franck? Oui, c'est l'orc DPS qui est en cours de... C'est PVP. De transformation. Ouais, voilà. c'est surtout un PVP. Ouais, c'est surtout du PVP, ouais. Alors que, alors que l'autre, mon elfe noir, c'est plutôt du PVE. C'est ça. Un bomber. Ouais, ça va être bien, je pense. Bon, ça va être tendu, mais... Les infos par rapport à ce qu'il y a en face, ou... Non, là, on va les faire les autres, plutôt. Non. C'était trop bien, les gens ont reconnu que vous m'aviez maltraité. Oui, mais ils ont apprécié. Si tu lis bien, ils disent, alors, vous avez maltraité Julie, on a kiffé, tu vois. Non, non, ils sont aussi tordus que nous, donc c'est pour ça. Franck est dans sa période pyromane. À l'attaque! Ah oui, on a oublié de vous dire, avec Falcat, bientôt on va changer de jeu, on va se mettre sur Fortnite. C'est ça. Moi je veux faire un lapin. Oh, t'as pas le droit, c'est moi le lapin. Je m'en fous, je veux faire un lapin. Ouais, bah je choisirai une autre couleur. Bah tu feras une vache, c'est bon. Je ferai pas de vache. Tu sais, il y a des moments, je trouve qu'on... Pour des mecs qui ont 40 ans, je sais pas, est-ce qu'on fait vraiment notre âge? On a de l'humour. Faute d'avoir de l'humour, on a au moins de l'esprit, c'est déjà ça. Je dis confirme, je le sais. Bonsoir Tanar, comment vas-tu? Oh, tu sais, c'est par pudeur qu'elle le dit pas. Yes. Level up. Voilà. Alors attends, je prends mon petit level. Vite fait, bien fait. Oh, putain, que des poisons à la con. Je suis, comment dire, dépité. Ah, t'es là. D'accord, excuse-moi. Je suis en train de sniffer tout ce que je trouve. Falcat sur Fortnite, ça me choquerait pas, mais toi. Oh, ça y est. Si Fortnite il y a, je ne follow. Non, non, détends-toi. Il y aura jamais de la vie. Je crois que ça serait mal me connaître. Après, attention, je ne crache jamais sur un jeu que je n'ai pas testé. Non, c'est de la merde. Oui, mais j'ai testé. Ouais, mais c'est de la merde. Tu veux que je le dise, c'est ça, hein? Ben non, mais c'est la vérité. Disons que c'est pas mon style de jeu. Ouais, c'est de la merde. T'aimes bien me pousser à la faute quand même, hein? Ben non, faut appeler un chat. Ah oui, bah t'as vu la gueule du chat, toi? Coffre. Oui, j'ai vu. Coffre. En cours. Tu sais, t'es comme les chiens de chasse, tu sais, tu pointes sur le nez sur le coffre. Coffre. Par contre, ce qui serait intéressant, ça serait de faire un jour une grosse coop sur Total War. Tu en as à l'esprit?
Le 3, sa sortie avec une sponsor. Clin d'œil. Ah, parce que tu crois que moi j'en arrive à ce niveau? Ont-ils trouvé l'enclume? On sait jamais. Putain. C'est tellement mignon, enfin le 4, j'ai presque envie de pleurer. Tu sais, des fois j'ai des belles surprises, hein, comme Warner qui m'envoie quand même leur jeu. Comment ça s'appelle? Back 4 Blood, tu sais? Avec l'édition Ultimate. Quand j'ai reçu le mail, je l'ai relu deux fois en fait. pour être sûr que c'était pas un mail, genre, tu vois, pour pirater ou une connerie dans le genre. Non, mais c'est faisable, hein, parce qu'ils sont en train de. Enfin, ils font une pub de ouf. Ouais, honnêtement, j'en ferai une demande. Mais après, il faut voir quoi. Un coop, ça pourrait être rigolo. Ah oui, mais après, il faut connaître les Total War. Moi encore, ça va, tu vois. Mais Gavark, je sais pas s'il joue au Total War, j'ai pas l'impression. Et Princesse non plus, donc. Oui, mais il suffit de se mettre dans la même. De prendre les mêmes races. Ah, tu veux dire 4 contre l'ordinateur? Avec un niveau expert, ça peut être sympa, oui. Ouais, même ça, niveau expert, Total War. Ouais, en normal. Difficile, ça pique. Hein. Ouais, mais en même temps, si on joue avec eux, ça serait plutôt normal à ce moment-là. Ouais, je pense. Total War, c'est quoi? Oh, c'est une grosse licence de jeu de stratégie. C'est sympa, franchement, moi j'aime beaucoup les Total War. Qui c'est qui a dit ça? Bah, Julie. Julie, vous avez compris, s'il te plaît. Total War, ça serait cool. Grosse licence de stratégie, ouais. T'en as toute une variété, mais gros, des jeux de stratégie, fantasy ou historique. Oui, mais à la base, c'est surtout historique, hein, Total War. Ouais, même si le Warhammer est bien sympa. Je l'ai pas encore essayé, moi, Poule. Ah, il est... Attention, pas que j'y vais à reculons. Pas du tout, c'est parce que j'ai vraiment pas le temps. Mais faut vraiment que je le teste, quoi. Non, il est bien, il est bien. Total War, Warhammer 3 sur Steam, si tu veux voir. Ouais. Bonsoir, bon, Yosh. Le 3 est pas sorti quand même. Non, il est pas sorti. Mais ça peut être. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être rigolo. Bah, tu sais quoi, je me paierais bien le culot de leur demander des clés. Ouais, ou même le 2. Non, le 2, je l'ai déjà. Oui, non, mais. Ouais. Ah, je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire en gros comme faire une soirée giveaway? Ouais. Il faudrait que je regarde s'ils ont des CM français, je suppose, oui. Ah, oui. Et s'il y a un CM de chez Total War sur le live, clin d'œil, je vous aime. Love sur vous. Faudrait que tu demandes à Fred qui te présente Maf, un belge. Maf? Ouais. Ça s'écrit M4F. Pourquoi? C'est un très gros joueur francophone de Total War. Ah ouais? Très très gros. Montrez-moi ces. Ah, c'est bon à savoir. Bonne question. J'irai jeter un coup d'œil. Et je sais que. Parce que je suis tombé sur une de ses vidéos. Ses bonsoir vidéos Benji, m'endorment. Comment vas-tu? Mais ça, c'est pas parce que le mec est mauvais, parce que. Voilà. Ça te repose. Voilà, ça me repose. Non, il est très bien. Il a fait une coop avec Fred. D'accord. Ouais. Oh, remarque, je pourrais proposer à Fred de jouer. Parce que je sais qu'il aime bien les Total War. Ouais, mais ça va pas passer. On est un deux râleurs. Il ne râle pas, il exprime un mécontentement. Et je le connais bien. C'est vrai que quand il sale, j'ai encore le goût du sel pendant des jours. Les lettres parlaient de 3 prêtres commerçants. 300 en février, Thibaut attend que ça. Oui, il m'en avait parlé, Thibaut. Mener à leur adresse. Ça vaut peut-être deux coups, ouais, que j'essaye de prendre contact avec eux. Ouais. Excellent maf pour Total War. Si tu savais, oui. J'ai eu le droit à un deuxième coffre à bordel. Merci Benji. Alors attends, 2 secondes, je bois un coup. Coucou Freeman. Creative Assembly a une grosse com pour Total War 3 et donne pas mal de clés aux streamers. Et oui, maf pour Total War, c'est des barres de rire. Bah oui, mais ils donnent des clés à des streamers. Ça dépend quelle politique ils ont, tu vois, en termes de. Voilà, pour donner des clés à des streamers, ça dépend, tu vois. Il faut.
Tu sais, entre nous, si tu pèses par exemple 10 000 follow, ben, t'en as certains qui vont te regarder avec les yeux doux, alors que d'autres vont dire « Bah non, 10 000 follow, je t'ai lui du caca. » Voilà. Ouais, mais tu as une, tu as pas beaucoup de streamers en vrai sur... Sur Total War ? Ah ouais. Ah bon ? Pourtant c'est une bonne licence. Ouais, mais je trouve... Ah. Qu'est-ce qu'il y a ? Vite. Voilà. Oh, fragment inscrit, c'est quoi ça? C'est une nouvelle piste. Fragment inscrit, c'est une nouvelle piste? Ah je non, crois. Non, fragment de pierre avec motif inscrit. En combinant 50 de ces éclats, vous pouvez créer une réplique de porte d'Aditum. Ah oui, ouais. Moi, j'ai chopé une pièce du masque de Cities. Un stream coop avec Fred, je veux. Si vous êtes gentil, salut Égaliseur, j'espère que tu vas bien, merci beaucoup pour le follow. Si vous êtes gentil, normalement après le 20 il est en vacances et comme j'ai discuté avec lui il y a quelques jours, je lui ai dit ah, ça serait trop cool si on se faisait une game, mais on n'a pas choisi de jeu. Et ben, peut-être vous m'avez donné une idée, on fera peut-être un petit co-op sur un Total War. Bon alors ça m'embête parce que je vais être masterclass par rapport à lui, mais voilà, c'est tout. Ouais. Conseil, tu prends les elfes, il prend les vampires et tu te défonces. Total War, c'est un jeu, c'est très jeu de niche, car pas facile d'animer en stream. C'est ça. Je suis d'accord avec toi, Elien, mais ça, enfin, moi je considère qu'il n'y a pas vraiment de difficulté. Le boss en premier ou tu veux qu'on poule les connasses à côté? Oh, on fait tout ça. Allez, on nettoie. Rafraîchissez-vous dans mes eaux. Bonjour. Bonjour madame. Aïe madame, ça fait mal madame. Pas taper. Voilà, les aviez là. Noyons votre colère à tous. Ah, ouais. Ah ouais, elle m'a fait mal quand même. Accueillez-nous. Ah ouais, elle blagoune pas les petites là. Peut-être celui-là, le boss de... Ça m'étonne quand même. Elle est pas morte? Elle est où la petite? Elle est derrière. C'est bon. C'est bon. Ok. C'est bon. On s'en est pas trop mal sorti, je trouve. Oui. Voilà. Et donc, si on n'est pas gentil? Pourquoi je lui dis que tu ne serais pas gentil? Ça ne te ressemble pas? Toi qui es aussi douce que le petit caramel sucré qu'on peut trouver. Mais on est toujours gentil. Ah bon? Oh, ce foutage de gueule. Oui bon, parfois on n'est pas gentil. Non mais de toute façon, que vous le soyez ou pas, je serais content de jouer avec mon pote. Voilà, donc rien à foutre. Voilà. On arrive à avancer quand même, malgré tout. Oui. Ah, coffre. Oh putain, j'ai eu le même réflexe que toi. Ça y est. T'as besoin d'un coup de mage ? Oh non. Non, ça va. Oh, okay. Ah, je vois que tu t'es fait des copains. Ouais. Ok, c'est bon pour moi. Salut à toi, Don Titou, merci beaucoup pour le follow, j'espère que tu vas bien. A mon avis, Fred, il est blindé comme tout ce qui existe, à part le robot YouTube. Ah, tu sais, il est blindé, enfin, des fois... Tu sais, quand je discute avec lui, des fois, ça m'arrache un peu le cœur. Hein. Des trucs que tu peux pas faire, et bon... Enfin bref, passons. Ils sont relous quand même. Hein. On va dire que YouTube ne lui a pas trop fait de cadeaux ces derniers temps. Ouais. Oh, Falcat, s'il y avait que YouTube. Ah oui, ça va, je suis pas gêné. Bref. Ça fait quand même mal au cœur. Enfin bref. Bah, c'est normal, hein, après. Ça fait combien de temps que je le connais, donc. Voilà, quoi. Non, mais après, les vidéos restent toujours cool. Oui. Je maintiens. Même s'il est trop critique. Tu vois, ouais, il est trop dur avec lui-même, mais bon, à part ça, bon.
C'est bon, ah, le caramel non. sucré. Ah, tu vois. T'es prêt? Oui. Oups là. À mon avis, Fred est... Ouais, non, ça, je l'ai lu. Tu colles aux dents. Petite question, peut-on vendre des produits sans passer par une guilde marchande? Ah, ça c'est pour toi. Non. Tu peux, mais au PNJ... C'est pas intéressant, ouais. Après, dernièrement, sur les forums, sur le forum français, il y a eu plusieurs signalements de joueurs qui proposaient des objets fort intéressants à vendre sur le terrain. Donc le mec prenait les sous et se barrait. Donc littéralement, il y a des escroqueurs sur le jeu. Donc le mieux, c'est de passer par une guilde de marchande. C'est moins risqué. Il y a des guildes qui ne proposent. Enfin, le but, c'est juste vendre pour une certaine somme. Il faut regarder les statuts de la guilde en fonction, mais tu peux en trouver. Nous, la nôtre. Enfin, celle où on est avec Julie et Balrog. Je crois qu'il faut vendre pour 2 ou 3 000 pièces d'or. C'est rien du tout. Je suppose que tu veux qu'on te dirige par là. Ouais. Ah non, je sais pas, je te pose la question. C'est toi qui le connais, donc... Non, c'est le mieux. Ouais. Ok. Quoi? Les soldats ont été corrompus? On doit pas valider la transaction pour échanger contre les joueurs. Ça me laisse. Le mec il va te. Non, mais si le mec il te demande, tu me lâches la thune et après je te donne l'objet. Bah voilà. Ben, tu vois. Non, mais on va faire un truc, t'es, regarde. Oui. Mais moi, n'importe quoi. Vraiment? Ouais. Je sais pas, moi, ça. Valide. Oh, pardon. Hop, voilà, je t'ai pas filé le pognon. D'accord. Voilà, bah t'as ton explication. Vraiment la technique de fourbe. C'est ça. Tu penseras à me rendre mon casque en coton, s'il te plaît. Que dalle, je le garde. Hein, bah torche-toi avec. Je vais le vendre 4 pièces d'or. Tu feras pas ça. C'est mon casque. Je vais te reporter, moi, salopard. Du coup, j'imagine Julie en carambar au caramel, qui avec ses petits bras et des yeux qui pétillent, sort des blagues de plis de ses robes faites en emballage. Effectivement. Après, bon, s'il y a des pigeons, oui, c'est comme Irène, t'auras toujours des pigeons. Mais c'est même le. Toi, tu as confiance, tu le valides, et en fait. Le mec il te l'a fait à l'envers, quoi. Le mec, il te l'a fait à l'envers. C'est bien, ça fait monter la guilde des guerriers aussi. Ouais, j'ai vu. Carrément. Je sais même pas combien de points on a pris à chaque fois, mais à coup de 5-8 points. Ouais, c'est ça, à peu près. J'ai bien Freeman. Ah, effectivement. Freeman te remercie pour cette explication. Voilà. Freeman, tu me dois un casque en coton. Ah, c'est tout con, hein. Après, bon, il y a aussi Pigeon Simulator. Oui, non, mais ça va, hein, côté simulation. Bah tiens, voilà, Elien. J'arrive à faire des simulations en stream. Tu vois, donc des Total War. Si tu veux, après on en discute, quoi. Oh, elles sont costottes, les petites araignées, là. Ah oui. Oh, et regarde, il y a des paniers de citrouilles. Ouais. On peut faire notre marché. Ouais. Ah, il y a la clé sigillaire. Pour être commerçant, moi, je suis à 1 sur 3, c'est normal. Pour avoir caché leurs clés sigillaires les uns des autres. Ah ouais, il faut aller chercher les clés sigillaires. Ok. Voilà, là, il y a un moment araignée. Ah ouais, il faut couler maman araignée, je suppose. Ouais, non, mais après, c'est pas non plus... c'est pas le mode du siècle. Oui, non, mais je m'attendais à une espèce de mini-boss ou un truc comme ça. Non, quand même pas. Y a que dalle. Ah, y a l'éclat. Ah, coffre. Vas-y. Non, l'éclat, il est derrière. Ouais, il est de l'autre côté du mur.
Et hop, c'est ouvert. Yes. À quand God Simulator alors? Oh, mais j'ai déjà fait God Simulator. Ouais. Je l'avais fait pour quel live? Pour les 5000? Je sais même plus. Je sais plus. Donc il savait où Gavos. Salut Tannhauser, comment vas-tu? Ils attendaient juste l'occasion de la voler pour leur propre bénéfice. Oui oui, c'est bon, j'ai pris la note. Regarde les petits animaux, ils sont gentils. Oh, les petits animaux. Ils ont pas l'air en bonne santé par contre, hein. Non, je crois qu'ils ont pourri. J'irais pas jusqu'à dire pourri, mais je dirais qu'ils ont la peau sur les os. Enfin, oui. C'est ça. Salutations à toi, Franck. Ça faisait un moment que je n'étais plus venu faute de PC. Bah, en tout cas, ça fait plaisir de te lire. J'en connais une, elle se serait mise en PLS pour les araignées. Ah oui. C'est pour ça qu'on l'a pas fait. Parce qu'elle a beau dire que là, elle fait la fière, mais... Ah, c'était magique. C'est dommage qu'il y ait personne qui l'ait clippé. Ah, c'est vrai que personne l'a clippé. Parce que c'était le prêtre commercial. C'était énorme. Ah mais je peux comprendre, c'est phobique, c'est phobique. Ah oui oui, non mais je comprends largement, hein. C'est pas une critique, hein. Ah oh non, loin de là, loin de là. Voilà, merci. Ça y est, tout le monde est mouru. C'est ça. Elles ont rien looté. Oh les garces. Bonsoir Dirian, comment vas-tu? Tu as essayé Mids Empire ou pas? Non. Non, j'ai pas essayé. Du tout. Il va, j'ai enfin pu me racheter un vrai PC. Ah bah ça c'est une good news. Oh, vite. Où est le boss? Wow. Allez, bisous. Vous voulez voir ce que vous allez devenir? Non, monsieur. Conquérant de l'abbaye de Zenithar. Ok. C'est pas ouf, hein. Non, mais ça fait des petits succès. Ouh. Je dis pas le contraire. Et on a toujours pas pris le point le bonus. Déclare. Ouais. Mais parce que peut-être il manque un boss, non? On les a tous clinés. Non, mais normalement tu as un boss de groupe qui te donne un point de compétence. Oui, pardon, comme la dernière fois. Ouais. Ouais, je m'en souviens. Oh. Oh bah dis donc, c'est un gros rat ça. C'est ça. Surprenant. L'éclat il est en haut. Si pétage de plomb ou cri n'est pas clippé, c'est que je n'étais pas là car je suis un vrai fumier. t'inquiète pas, on a Campman. T'inquiète pas. On a quand même un spécialiste du clip à la con. Ah, c'est bon. Voilà. Hop. Falcat, si tu te rappelles quand c'était, ça peut se trouver sur la vidéo YouTube. Alors c'était vraiment YouTube. Ah, pas sûr, parce qu'il y avait certains moments où je mettais des épisodes de Tezo au tout début. C'est pas impossible qu'elle y soit. C'est pas impossible, faudrait que je regarde. Ouais, faudrait regarder. C'est le premier donjon qu'on a fait. Yop. Attends, tu m'accordes 2 minutes avant de plonger? Ouais. Non, bah allons-y parce que lui il est en train de tomber. Bonsoir Kill, comment vas-tu? Il y a un dernier. Attends. Oui. Voilà. En contrebas peut-être? Ouais. Tu vas où? Non, il y avait un mec. Ah,
Ah oui, d'accord, il est resté groupir avec nous en fait. Ouais. Ah, tu me diras, moi j'avais fait la... le donjon public, tu sais, de Havreglace. Ouais. Avec mon elfette. Mais j'avais pas encore le stuff. Ouais. Ouais, j'ai quand même un petit peu ramé quoi. Mais pas par la difficulté, mais par le nombre de mobs en fait. Ouais. Oh ouais, non mais ça a pas l'air, mais des donjons publics quand tu es pas stuff et que tu as pas un minimum d'expérience. Ça peut faire bizarre quand même. Hein. Alors, j'ai vu sur la chaîne de Jack que l'alpha 20 de 7 days allait enfin sortir. Oui, on a fait le live hier. Tout à fait. D'ailleurs, Jacko se remet en selle en solo dimanche. Et bah, nous, on reprend les aventures au possum tous les vendredis soirs là-dessus. Nous avons les trois sceaux. Nous pouvons utiliser l'aditum. Il doit se trouver dans l'aditum. Le temple de l'abbaye. Quel rythme de jeu, tu devrais réclamer des pauses syndicales. Ouais, mais soi-disant, c'est pas dans les conventions. Ah merde, trompé. Tu as essayé de me tuer. C'est ça. Il y a des méthodes plus simples quand même. Hein. Tiens, ouais. Mange ce repas, il est pas du tout empoisonné. Oh merci, c'est gentil, gros. C'est ça. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. J'ai loupé ça. Ah, bonjour. Eh ben écoute, voilà, ça devrait être la. Alors, tu l'as raté, c'est pas grave. Tu sais, en même temps, tu as la rediff du live hein, qui est dispo, donc faut pas hésiter quoi. C'était un boss ça ? Un mini boss. Ah, on est d'accord parce que je me suis dit. Mmh, ouais, ouais. Hmm. Putain, ouais, encore une piste d'antiquité. Tu sais que j'aime bien, moi, les pistes d'antiquité. J'aime bien ça. Ah oui. Oui, non, mais. Et en plus, là, il y a des bonnes pistes. Ça a marché. L'aditum est ouvert. Dans celui-là. Il n'y a pas de coffre. Non. Ça ne peut pas. Bon, je regarde hein, parce que. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Elle a été abandonnée aux épreuves du temps. Pas moi. Mais l'étincelle de l'enclume a commencé à s'éteindre bien avant la chute de l'abbaye. Je t'en prie. Est pas... Je croyais qu'elle était sur Oblivion, dans cette ville. Impossible. Vous êtes... Il y a des livres. Ouais. Vos travail du bois. Comment pouvez-vous être en vie? Nada. Non, plus de bibliothèque. Je vous prie. Je dois m'occuper de. On expédie. Ouais, il y a un choix. Il semble en fait. Que j'ai enfin payé. Alors le travail, je la reconnais. Je sais. Je non. Non, c'est l'autre. C'est l'autre. Ouais. Voyons voir. Pour ce que cela presque. Zenitha. Non. Je le ferai. Saint okay. Zénithar, je vous apporte cet ouvrier dont les mains calleuses accomplissent votre œuvre sacrée. Ah oui, c'est vrai qu'il faut. Posez votre main sur l'enclume. Par ses mains et cette pièce, une bonne journée de travail est accomplie en votre nom. Puisse-t-elle être la première d'une longue série. J'attends que qu'il ait fini de ton que côté. Le commerce soit. Ouais. Ah, il faut prier, machin. Non mais c'est fait, je pense que ça le fait automatiquement. Voilà, tu vois. La lumière de Zen brille. Non, tu vois, quitter l'abbaye de Zenithar. Non, non. Commerce. Mon travail est accompli. En échange. Ça, il est où le pognon? Qu'à revoir le ciel. Où qu'il est? Je vais gagner cela et bien plus. Où qu'il est le pognon, monsieur? Je vais vous ouvrir la porte. C'est ça. Falca, tu l'es. Oui. Non mais je crois. Et tu vois, il y a pas eu de choix, non? Non. Ou c'est peut-être après? Non, mais peut-être après. Ça me laisse perplexe, mais pourquoi pas? On pouvait choisir entre. Entre faire crever le vieux et laisser le jeune dedans. Ben non, regarde. Allez, on explique. Je vais informer le bandeau de Zenithar. Et grâce à nos efforts, ah oui, dans cette abbaye sa gloire. La réplique grandeur nature de l'enclume d'or. D'une manière ou d'une autre, Zenithar ne laisse jamais ses dettes sympa. En suspens. Zenithar continue. Des points. Ouais, enfin, c'était pas ouf non plus, hein. Non. Non, mais moi j'ai pris 16 000, hein. Bah moi j'ai pris, tu parles en points d'expérience hein. Ah oui. Bah 3555.
Oh ouais. Ah oui, mais c'est normal. Ça clôt. Ouais. C'est le niveau. Ah yes. Ça fera des voleurs. Oui, oui, j'ai vu, j'ai vu. calme-toi. Méchant. Au prochain virage, tu es le troll. C'est ça. Ouais, non, on va pas faire toute la côte. Hein. On se casse. Ouais, je vais en trouver un. Ah, tu sais, sur chaque carte, on en a tout, automatiquement un, donc... mais tous, ouais. Tous, mais pas Vardenfell. Pitié, j'en ai Non, non, mais je pense qu'on va aller, là. Tiens, qu'est-ce que j'ai ? La réplique grandeur nature. Fais voir. Ah. Oh, tu me dis quand il y a. Ouais. Pas encore. Ouais, ouais, prends ton temps. Sympa. Ah ouais, c'est ma connexion qui prend son temps. Ouais. C'est bon. Oh, on prend son temps, hein. Tranquille. Attends, voyage rapide jusqu'à un autre joueur. Oui. Oh, je suis pas loin du niveau 35, hein. Donc si on bourre un peu comme ça, ça peut être pas mal, hein. Ouais. Celui-là, je l'ai fait déjà. Celui de Bancoray. Ah ouais, mais si tu as déjà fait, c'est pas drôle. Ouais, mais c'est pas grave. Wep. Ouais, ouais. C'est le Bancoray, il faut aller chercher... le set. Il y a un set qui est intéressant, Bancoray. Lequel ? Celui qui donne de la, la pénétration physique. Putain, quel connard, quoi. Non, mais on s'en fout, en fait. C'est pas ça qui te fout, toi. Ouais, tu pensais au Sprigant ? Ouais, c'est... le Sprigant, mais... Mais c'est pas pour moi. Celui-là. Non, c'est pas celui-ci, non, non. C'est plutôt pour Gavark, celui-là. Ouais. On est d'accord. Puis le Sprigant, je l'ai déjà. En partie, bien sûr. J'ai pas tout ouais, le même Sprigant. C'était pour compléter. Ouais, ouais, ouais. Tu veux qu'on s'arrache où ? Je cherche. D'accord. Je crois que c'est lui. Me semble. C'est l'Almérie. Non. Non. Ah oui, mais à Emily, ça c'est normal, hein. Que t'aies plus les odeurs. Bon, après, ça a ses avantages. Voilà. De quoi, le Covid? Malheureusement, oui. Ah. Ah, c'est le trameur. Combien tu as de pièces au trameur? Alors, attends. C'est dans collection? Ouais. Donjon? Non, c'est pas donjon, c'est dans. Bois de gratte. Je vais changer de personne. C'est objet d'ensemble? Et tu ouais. M'as dit comment, trameur? Ouais. Ah mais non. Ah mais non, j'ai écrit traleur. Non, c'est pas traleur, c'est quoi? C'est trameur? Trameur. T-R-A-M-E-R. E-U-R. E-U-R. Voilà, c'est Domaine Almérie. J'en ai deux. J'ai le baudrier et la chaussure du trameur, les chaussures du trameur, c'est tout. Ben on va faire un... on va bouffer du... Du domaine bois de gratte. D'accord. On retourne au bois de gratte alors? Non, attends. Tu as pas de TP. Ah merde, c'est vrai. Putain. L'habitude de... avec l'autre. Ah, tu t'es déco? Ah, tu changes de perso? D'accord. Ouais. Ok. Je change de perso, tu te TP sur moi. Je reprends le perso. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Comme ça, tu me rejoins en fait, en somme. C'est ça. Ouais. Du coup, j'ai bouffé les chocolats du calendrier de l'Avent ce soir, dans le doute. C'est bien de limiter les doutes comme ça, tu vois. J'avais une grand-mère, véridique. Hein. Quand j'étais malade, en fait, elle me faisait bouffer. Elle disait, mais c'est important de se reposer et de bien manger. Donc en fait, j'étais malade et je prenais 3 kilos. Donc... Mais
Tu as de la chance. Ah, elle était adorable, ma grand-mère. C'était une personne Moi, adorable. J'ai une grand-mère, quand j'avais 8-9 ans. Eh ben, le médecin, il m'avait prescrit du Smecta, sauf que je suis allergique au Smecta. Oh. Eh ouais. Tu fais une réaction au Smecta? Ouais. Oh merde. Ben, ça me fait vomir. Tout simplement. Ah ouais. Ah bah, tu... Et elle me mettait le Smecta dans la bouffe, du coup, ben j'étais malade. Et au bout de 15 jours, elle m'a failli m'hospitaliser. Oh, putain. Ah merci, ouais. Ma vie. Putain. Ah ouais. Mais moi, tu sais à quoi je réagis? À l'augmentin. Pourtant, t'as des milliers de personnes qui prennent de l'augmentin sans réaction. Eh ben, je réagis à l'augmentin. Et si je te dis comment, c'est affreux. C'est-à-dire? Bah, en gros, j'arrive plus à penser ni à former des phrases. C'est-à-dire que quand je te parle, tout est à l'envers, en fait. Tout est... Ah, oui. Y a plus d'ordre. Le médecin m'a pas cru quand il est venu alors que j'avais pris d'augmentin. Là, il a pu le voir, tu vois. C'était comme Saint Thomas. Là, il a pu constater qu'effectivement, je ne me moquais pas de lui. Ouais. La grand-mère de Falcat était moins cool, du coup. Ça va. Parce que j'aime bien. Je suis désolé, Falcat, de ce que je vais dire. Parce que je suis sûr que tu adores ta grand-mère. Mais ça fait un peu le coup du chat qui. Tu sais, quand tu veux filer des cachetons aux bestiaux, tu leur fous dans la bouffe. C'est ça. Non, non, c'est une connasse. Ok, bon, voilà. Mais je ne la connais pas, donc je ne vais pas me permettre de juger. Tu peux te TP. Ouais. Ok, vendu. Attends, je te cherche. Mais non, il faut que tu... Non, tu fais G. Oui, oui, ça y est. Voyage rapide, j'arrive. Effectivement. On est pas bien là, Tintin? Oh, on est bien. Le reste de la guilde est à Vanderfeld. Comme c'est surprenant. C'est good, j'y suis. Allez, je déco. Allez. C'est bizarre, je l'avais déjà ou pas? Non, je l'avais pas. Hein. J'aime bien cette région, elle est luxuriante, elle est belle. Ouais, il y a des elfes, des bois qui bouffent des gens. Oui, bon, ben, t'as des régions qui ont des aspects négatifs. Bon, ben voilà, oui, c'est tout. Ça. D'ailleurs, tu as une très bonne quête où ils expliquent pourquoi ils bouffent des gens. Ah non, mais ne me spoil pas. Non, je te spoil pas. Et ils expliquent tout ce qui est pacte vert. D'accord. Parce que tu le sais, avec mon elfette, je ferai les régions, hein, au coup par coup, donc oui, c'est pour oui, ça. Oui. C'est une très très bonne... J'avais bien aimé cette map. Après, ma préférée, ça reste quand même... Mardenfell Oui, aussi, j'aime bien. Le pacte de Kajaben est très bien. Mm-hmm. Les quêtes. Mm-hmm. Avec une fin... Tu dis, ah, c'est la fin? Ok, bon, d'accord. Chouette région pour le loot et le farm. C'est giboyeux, comme on dit. C'est ça. On va garder le mot. Le mot de ce soir, c'est giboyeux. Allez. Non. Oh, je vais partir un petit peu à la cueillette aux champignons quand même. Y'a rien à récup ici. Oh, le petit singe. Allez, c'est parti. Ça recoute ? Ouais. Ah, d'accord. Désolé, j'étais en train de... En fait, c'était pour m'occuper, comme je savais pas combien de temps t'allais mettre. Ouais, t'inquiète. Tu veux qu'on se fasse le troll ? Allez. Dans le doute ? Bah... Pourquoi il sort pas de son truc ? Ah. Qu'est-ce que tu veux faire fouiller, mon pote? Et il y a un sac lourd à côté. Ouais, mais j'étais en train de regarder dans la cabane parce que il était en train de faire fouiller, donc bon. Il y a un sac à dos. Ouais. Ouais, bah une recette d'infusion, mais je crois que je l'ai, l'infusion de maté. Et le coffre de guilde est encore plein.
Les gens de la guilde, videz ce cette putain de banque. Je peux devoir m'y coller. Non mais faites des rerolls, faites quelque chose. Ah mais il y a des rerolls, il y en a plein. Oui mais est-ce qu'ils se servent? Ah ça je sais pas. Bah voilà. Je pense que leur coffre à eux personnel doit être plein de recettes. Attends, il y a un livre pour moi. Oui. Ah mais je croyais que tu l'avais pas. Et après, l'antre. Tu veux qu'on cligne l'antre? Ouais. Ah, pour l'éclat? Ben, c'est pour le 7. D'accord. Le but premier étant le 7. En fait, en fonction de... Yop. En fonction de du boss que tu tues, si c'est un boss d'antre, tu vas récupérer par exemple, je sais pas, bon, la ceinture et le haut. Si tu tues un boss de... Ouais, ce que j'avais lu pour certaines régions, oui d'accord, voilà. C'est foutu de la même manière. Okay. Et je suppose que tu veux qu'on fasse aussi les dolmens et tout, qui vont nous permettre de looter, je sais pas moi, des, par exemple les bijoux, un truc dans le genre. Oh, ouais, un peu, mais... Non mais... Dessus. Voilà, non mais... Voilà, c'est dans la logique, quoi. Voilà. Capitch. Yes, level up. Attends. Bijoux, ça je prends le level. Les bijoux, ça s'achète, de toute manière. Tu prendrais quoi? Doublure élégante ou mastic? Doublure. Ouais, j'ai un doute. Mastic. Parce que de l'acide, je m'en fous. Hein. Enfin, je m'en fous. Disons que... À l'instant T, j'utilise... Ouais, voilà. C'est moins intéressant. L'autre, ça te sert aux armures lourdes, aux légères... Je me souviens. Légère et moyenne, tu veux dire? Ouais, légère et moyenne. Non, parce que t'as dit lourde. Ah non. Oui. Non, mais je sois bien sûr, donc pour ça. L'éclat. Et pendant qu'on parle de médicaments, quand j'étais gosse, ma mère, tu sais, pour les maux de tête et tout, quand j'avais de la fièvre. Elle me foutait du Doliprane, et je trouvais que le Doliprane, ouais. Tu sais, en poudre, hein, je te parle vraiment de l'époque où... Ouais. ...était dégueulasse. Et en fait, elle avait trouvé une astuce, c'est qu'elle foutait une cuillère de sucre. Ah, et je trouvais que c'était vachement bon, et des fois, je lui disais, maman, j'ai mal de tête. Ça pour bouffer... Hein. Tout ça pour torpiller un Doliprane, tu vois. C'est ça. Alors, moi, j'aimais bien le Doliprane. Attends, j'ai vu un coffre. Ouais. C'est pareil, on avait un vieux médecin de famille, tu sais. Il faisait penser un peu au druide. Ouais. Vraiment, il avait le look, tu sais. Mais très, très classe, très propre sur lui, enfin, voilà. Et je sais pas comment il faisait, des fois il me regardait, il me faisait... T'es pas malade, toi, hein. Alors, tu sais, comme tous les gamins, quand t'es attrapé, tu fais... Non, monsieur. Bon allez, ça va pour cette fois, je vais dire à maman que t'as de la fièvre, tu restes à la maison. Mais demain, tu retournes à l'école. Oui. Tellement gentil ce docteur en plus. Moi j'aimais bien l'école. Ah mais moi j'aimais bien aussi. J'aimais bien glander aussi à la maison. Ah oui, je préférais l'école. Qu'est-ce que t'es studieux. Ah ouais, c'est cool. C'est où que ça a pêché? L'adolescence. Ah voilà, mais il y a toujours une période où ça couille. L'adolescence. Et un BTS. Bonsoir Shemna, comment vas-tu? Ok. Putain, il est compliqué ce donjon. Il est surtout sinueux. Ouais, mais c'est ça qui est compliqué. Il y en a un, je sais pas combien de temps j'y ai passé, mais juste pour l'éclat, tu sais. Ouais. Parce que je le visualisais sur la carte, là n'est pas le problème. Mais de là à trouver le passage pour t'y amener, je vais bien. Écoute, tant mieux. Si tout va bien, c'est l'essentiel.
Ah, good. C'est bon. Ouais. Cool. Peut-être qu'on l'a raté à la, à la sortie. Non, non, bah non, 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 c'est un espace ouvert. Non, non. Voilà. Évitons de faire une aide-roda, mon cher Falcat. Tout à fait. Et je maîtrisais la chute. Ouais. Je te rappelle comment on s'est écrasé à Orsinium. Ouais. Non, c'était pas Orsinium, c'était. Ah, pas Orsinium, c'était. Putain. Sur une des petites îles. Oui. Merde, le nom m'échappe. Oh, qu'est-ce ouais. que ça avait été beau quand même, les quatre à sauter comme des cons et à s'écraser comme des crêpes. Mais je l'ai vu, hein, j'ai vu des joueurs le faire. Hein. On n'est pas les seuls. Hein. J'ai vu d'autres joueurs le faire. Tu crois que les devs ils tiennent des stats de nombre de cons qui s'écrasent comme des merdes comme ça? Ah ouais, celui-là. Ah, coffre. Yes. Oh, un avancé, sympa. On ne sait pas du tout là. Ah, c'est... Hop là. Ah si. Ça recoute. Ah bah écoute, ça arrive, Nadi, t'es pas un boulet. Putain, ce petit temps de latence pour prendre le bâton. Le perso, ouais. Il met 3 siècles pour récupérer son bâton alors que tu vas pour te friter, tu vois. Ouais, il faut toujours le bâton, il faut toujours le sortir. Je suis d'accord avec toi. Oh là là. Non, mais elle était drôle. Honnêtement, elle était drôle. On n'est pas surtout... voulu surtout. Oui, mais c'était drôle. En plus, tu parlais de ton adolescence, je trouve que c'est vachement raccord. Donc, n'oubliez pas, messieurs, sortez toujours avec votre bâton. C'est ça. Toujours le bâton en main. Fermement, hein, d'ailleurs. Enfin, quoique, si vous êtes dans le sud en ce moment, ne le sortez pas. Parce qu'avec le vent, c'est quoi ouais. ce qui tombe. Ouais, là, ça craint. Oh, putain. Alors, il y a un autre livre. Là, on va faire un livre là. Qui est à l'ouest. Enfin, pas vraiment à l'ouest, sud-ouest. Sud-sud-ouest. Ouest. Ouais. Je le vois. On va aller chercher le boss aussi. Tu veux qu'on se le fasse? Ah oui, oui. Ah, la tente peut-être. Ouais, c'est ça. Voilà. Allez, nickel. Oh, motif d'ordique, que ça fera que le 30e. Arrêtez. Putain, il m'a fait peur ce con. Dans ce village, j'aimerais vous parler. Vive le vent d'hiver. Pour le bâton, c'est du chêne ou du boulot? Ça dépend de quelle région tu es. Quelle drôle de question, Tanar. Tu devrais connaître ton propre bâton. Ça a été difficile pendant l'adolescence. Ah, c'est justement celle-là. C'est ce village-là. Attends, t'as un bouquin qui est pas loin. Nord-ouest. Mais ah ouais, non, mais non, il faut prendre les reliefs. Tu vois, il est par là, ouais. Regarde. Par là. J'ai dû le prendre. Bah après, il n'y a pas mort d'homme, on a qu'à faire le Warboss et puis on ira voir pour le bouquin. Oui. Ouais. Après, l'objectif, c'est pas le bouquin. Oui, là, non, c'est... certes. Quoique, j'ai besoin de certaines compétences de la guilde des mages. Oui, mais ça. Ça viendra tout seul, les bouquins. Ça viendra tout seul, les bouquins. Oui. Bah, à force, hein. Mais j'avoue que c'est long quand même, hein. C'est un peu long. Ah, ils sont en train de le faire. Vite! Ouais, c'est bon. Ils vont pas se sortir. Ouais. Voilà.
Oh, cuirasse du pacte vert. Non, c'est la merde. Oui, non, je suis obligé de te faire confiance, mais je trouvais le titre vraiment sympatoche. Ah, attends deux minutes. Non, trop tard. Il est pour moi, l'Orichalc. C'est pour moi. Non, l'Orichalc. Tic-tac-tac. Ah oui, là. Oui, bon, bah ça va, tu nages trop vite. Non, le mec. Oh là là. Hé, l'Ormanodou, reviens par là. Oh le mec. Oh le sale troll. C'est du châtaignier en ce qui me concerne. Prétentieux. Alors. Ah, il va falloir renager. Ah merde. Ah oui, mais il y a des runes. Ouais, mais les runes. Oh bah, hé, le livre est pas loin. Ça t'embête si on fasse un, qu'on fasse un petit crochet, je prends vite fait. Vas-y, vas-y. Il est ici. C'est bon. Ouais. Ah, il y a un éclat pas loin également. Ouais, ouais, c'est l'objectif. Ah, d'accord. Ah. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à m'envoyer ça, putain. Tu sais, je reçois en ce moment des mails. Il y a deux types de mails. Le premier, c'est pour de la crypto, je sais pas trop quoi. Monnaie. Non, non, même pas. C'est même pas de la crypto-monnaie, crypto-analyse ou un truc comme ça. Donc, je suis allé vérifier. Hein, c'est des sociétés qui existent réellement, tu vois. Hein. Et l'autre courriel, c'est pour me dire hey, « Eh, vous avez déjà essayé en VR ? Eh, vous avez déjà essayé en VR ? Eh, mec, t'as déjà essayé en VR ?» Et t'as déjà dépensé 600 boules pour un truc en VR ? C'est, c'est ça. Bah tu sais quoi ? Bah, tu veux que je fasse un live en VR ? File-moi le casque. C'est ça. Voilà et... Ah mais moi je suis pas chiant comme mec, du moment que tu me fournis le matos. C'est ça. Moi je vis déjà ma vie en VR. C'est top la VR. Mais j'ai pas dit que c'était pas top la VR. Je dis simplement que... Actuellement... voilà, je ne vais pas claquer dans de la VR. Ah, livre. Oui. Ah ben non, mais je, oui, comme oui. Je sais pas si tu l'as ou pas, du coup... Ah ouais, c'est attends, l'objectif. Il... Ah, là. Là, ouais. Juste à côté de la couche, voilà. La petite quête. Quéquette. Quoi, celle-ci, là hein? Ouais. Yep. On l'expédie, hey. Hein. Ouais, ouais. Les bêtes sauvages ont tout... Quoi? C'est une elfe des bois? Ça, mais c'est que des elfes des bois, là. Oui, on oui, est je chez sais, les elfes des bois. Hein. C'est dommage. Mmh. Au bout d'un moment... C'est que je la trouvais un petit peu charmante, la petite. Les oreilles pointues. Surtout, il y a de la VR accessible. Oui, mais c'est comme pour tout. Faut oui. Prendre, voilà. Non, mais c'est bien la VR, il n'y a pas de problème. Je suis là. En fait, je vais être honnête avec toi, j'ai peur d'être malade vous... avec la VR. Et c'est ça le problème. Je vous en prie, faites vite. Je ne sais pas combien de temps je pourrais survivre ici. J'ai failli... craquer pour de la VR. Non, non, j'ai failli faire un test pour un jeu VR dans la région de Marseille. Oh. Ouais, ouais. Ça s'est pas fait à cause du Covid. Oh merde. Ouais. Mais tu sais que moi j'ai testé les premiers casques, enfin, quand ils étaient sortis, les premiers casques VR. Ouais. Tu sais où les personnages étaient en fil de fer. Ouais. J'étais malade. Ça m'a filé là, une nausée carabinée. Ah, après la première VR. Oui, c'était normal. Hein. La première VR rendait malade. Attention, les elfes des bois ont souvent faim. Oui, mais je suis pas mort. Après, si elle me dit qu'elle me trouve à croquer, là oui, je m'inquiète, tu vois. Non, mais il tue pas pour. Voilà, il tue pas pour la boostify. Hein. Non. Il y avait rien à récup. Non. Ok. T'es une boss. Ah bah super. Oh, une autre piste. Mama. Ça dépend des individus et surtout la capacité de l'oreille interne à s'adapter. Ouais, mais ça, par contre, ça c'est une autre histoire. Tu vois, ça m'emmerderait de claquer dans un casque VR, sachant que je supporte pas. Tu vois, si encore il permettait des périodes d'essai ou des trucs comme ça, pourquoi pas, tu vois. Ah, boss. Oui, je suis dessus aussi. C'était un boss, ça ? Ouais. Bah dis donc, il m'a filé que dalle.
C'est un peu l'arnaque-couille, hein. Normalement, c'est un boss. Bon, pas terrible, hein. Ok. Alors. Ah putain, il y a trop de monde. Ah. Bah, on l'a quand même buté, hein. Ouais. Attends, t'as un truc ici. Ouais. Bah. Pourquoi je peux. Le corps de la chercheuse porte des traces de coups et machin. Et il y a juste écrit au revoir, c'est tout? Ouais, ouais, c'est juste un truc à lire. D'accord. C'était pas un boss, dis-moi. Si, si. Ah merde, je l'ai raté. Attends-moi. Oh, mais enfin, c'est casse-couille. Mais putain, mais comment ça se fait qu'il y ait autant de monde dans les antres? Ça fait longtemps que j'en avais pas vu autant. Trameur, hein. Ah d'accord. Tu peux prendre un truc claqué qui utilise un smartphone pour te faire un avis, ça coûte pas grand chose. D'accord. Après je sais pas, il y a peut-être des boîtes qui font aussi des tu vois, le genre d'allocation de casque. Je sais qu'il y a des boîtes qui font des qui font des sessions où tu peux le louer pour Mais t'es où Falcat? Ah. Je suis au milieu. Attends, tu me laisses vérifier quand même sur la map. Ouais. Normalement, le crâne devrait être blanc, on est d'accord. Ben, ou disparaître. Maintenant, il disparaît. Non, je l'ai. Non, je l'ai pas buté celui-là. C'est bizarre pourtant. Mais bon. Il faut que cliner. Ah, ils tournent en boucle, tu veux dire? Ouais. Bon, enfin, ils font chier quand même, hein. C'est le problème de. C'est le problème de tes os. T'as des cafés verts aussi. Ah oui, c'est pas con ça. Des cafés verts. Eh bah tu vois, Edien, ça c'est une bonne alternative. Bonne alternative. Ça doit se faire, oui, sur Annecy, ils ont créé une salle pour faire des jeux en réalité virtuelle. Non, non, mais il y a une. Un truc récréatif qui s'est créé sur 3 ou 4 étages. Et. Il y a un étage consacré à la VR, donc j'irai pour voir. Comme ça, je crèverai pas con, quoi. Parce que moi, je me souviens, les gros casques, tu sais, les gros casques noirs, tu sais, avec une espèce de visière comme ça, c'était les premiers, quoi. Ouais. Après, bon, ils étaient pas non plus lourds, mais. C'était un peu relou, quand même. Putain, on va les faire chier, ça, mon frère. Comment ça, on va les faire chier? On va tout cliner à chaque fois. Ah oui, tu veux dire qu'ils vont venir pour rien, quoi, en fait. Voilà. Tu t'en sors, toi, de ton côté? T'es où? Retrieve. Ouais, c'est bon. Attends, je vais rester là où il y a le boss théoriquement, mais bon. Ok. Ouais, sinon c'est pas grave, hein. On va faire le boss de groupe. Hein. Oui, oui, écoute, on enchaîne, hein, parce que sinon on va rester comme des quiches. Il est là. Voilà, c'est là où il venait. Donc ils l'ont cliné, tu penses? Ouais. Ouais. Pas con, hein. Merci pour les conseils, les enfants, pour la VR. Bah écoute, c'est pas grave, on cline les mobs en attendant et que ça repop, quoi. Ah, c'est... Ah non, c'est un... Ah ouais, je sais ce que c'est. Mmh. Il faut tuer tous les squelettes. Pour que ça le débloque? Ouais. Tu regardes, il y a les petites partes. Ah, c'est bon ou pas?
Ah, le ouais. Pépère, ça y est, libéré. Voilà, il y a un point de bonus. Et il est notifié ce boss ou pas? Ah oui. Et tu vois, celui qu'on a laissé dans l'autre salle, il y était pas. Je l'ai pas cliné. Pourtant j'étais sûr, mais tant pis. Oh putain. Bonsoir Guilloumani, comment vas-tu? J'ai un pote qui a acheté un Quest 2, ça a été intéressant, mais au final, il a fini dans sa boîte un mois après. Ouais, non, mais c'est pour ça. Yeah. Oh, bonjour. Bâton infernal de être étourdissant, espalière du pacte vert. Ok. C'est un peu casse-couille quand même. Ouais. Après, il y en a un. Normalement, il y en a un. Ah, tu vois ? Non, non. Il est plaquiné. Je l'ai pas cliné celui-là. C'est casse-couille quand même. Il faut combien de temps pour déjà ? Pour que ça réapparaisse tes boss comme ça d'entre. Normalement, c'est pas. Ah non, mais celui-là, tu l'as fait ? Quoi, ici ? Ah non, mais ça, c'est normal. Ça, c'est. Je pense que c'est un boss de fin. Là. Ah, d'accord. Bon, bah alors, let's go. Ça dépend des gens après. J'ai environ 2500 en VR. Ouais, mais c'est ça en fait. Je pense qu'après, il faut trouver le bon petit jeu qui va te faire vraiment kiffer la VR, tu vois. Je pense que c'est comme pour tout, hein. Ouais, mais là, il y en a un que j'ai en VR très sympa. Ah, oui, ouais, clairement. On n'est plus à ses débuts, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes comme une légende de Vec. Elle me lance des fleurs, je l'ai programmée pour qu'elle soit gentille. Attends, secourez Sire d'Or, non? Ouais, mais on va cleaner les mobs. Oui, bah. Ah, tu veux dire avant que les autres les clean? Ah, mais je crois qu'il en fait, hein, mais. Faites excuse, être de chair. Sire d'Or est mort depuis longtemps. Nous avons pris sa forme pour vous attirer ici. Ah, ça clôt. Ah, ça clôt. Allez. Putain, mais c'est pas vrai. J'aurais le droit à chaque soir, les chats, quoi. Putain, mais... Vous cherchiez la pierre d'harmonisation des Sires d'Or? Bonne nuit, Emily. Des gros bisous. Et surtout, repose-toi ne bien. Ne gaspillez pas votre bonne énergie. Nuit. Vous resterez ici. Bonsoir, Jig Badman. Comment vas-tu? Excuse-moi, je t'ai confondu. J'ai cru que c'était Guilloumani. Vous ne faites que retarder l'inévitable. Vous ne faites que retarder l'inévitable? D'accord. Ouais. Tu veux pas qu'on fasse les crocos à droite? Ouais, c'est surtout qu'il y a un boss, pas normalement. Ah ouais? Alors, est-ce que c'était lui? Bah écoute, on va aller voir. Hein. Il doit être derrière, non? Ah, il est derrière. Ah oui, il est derrière. Il en fait. C'est pas grave, on va pouvoir ôter. Salut à toi, Stifler Sonic, j'espère que tu vas bien et merci beaucoup pour le follow. Bah écoute, faisons preuve de patience. C'est bien les donjons publics quand on est un peu réduit. Hey, bonsoir Sartar, comment vas-tu et merci beaucoup pour le raid. Quoi de neuf? Et bienvenue à tes viewers. On est pas bien là, Tintin? Oh, on est bien. Ben, ça serait bien si tu associais le matos que tu as récupéré. Le matos que j'ai récup? Ouais. Ah, attends. Je veux jouer. Non, j'ai... Non. What? Ouais, tu vas sur tes armes, tu regardes ce qui est pas lié, tu fais clic droit, associer. Ben ouais, enfin...
Bah, épée longue. Ouais, lié, tu veux dire? Oui, d'accord, ok. Bon, bah. Un petit peu dommage, mais ok. Je vais associer juste. Oh, ouais. Ah merde, c'est vrai, putain. La mauvaise habitude. La très très mauvaise habitude. Alors, associer, associer. Associer. C'est vrai que c'est mieux comme ça. Hein. C'est moins, ah, oui. C'est moins casse-bombe. Et là, le but étant de. Quand tu les associes comme ça. Yep. En cours. Là, les prochains boss, tu ne devrais pas redouter la même chose. Oui, oui, c'est pour éviter d'être emmerdé, puisque là, il a actualisé. Brassard des terres mortes, donc on associe. Il y a un bail avec Jack Play. Ah ! Dakodak ! La routine, c'est bien la routine. Moi, j'aime la routine. Tu me dis hein, si t'as besoin de moi, je suis en train de regarder mon matos. Hein. Oh non. Ça... Non, t'inquiète pas, je suis pas en danger. C'est eux qui sont en danger. C'est ça. Associé. Putain, j'en ai tellement associé. Pouah. Pourquoi tu me disais c'est de la merde, je veux voir. 1214 de santé, 140 de récup. Ah ouais, tant que vous avez un bonus d'origine. Ouais, c'est pas terrible le pacte vert, effectivement. Non, c'est pas terrible. Oh, il vient ce putain de boss. Oh. Ah, ah, ça y est, elle est là. Je vois qu'on n'était pas les seuls à attendre quand même. C'est ça. Non mais eux ils font en boucle. Je pense qu'ils font en boucle. Ah. Ah l'ami Jack Play. Ouais, t'as bien qu'à faire. Bah quitte à cliner, autant le faire proprement non. On peut se mettre 2 minutes dans un coin, j'associe rapidement pour éviter qu'on s'emmerde. Oh, ouais. Attends, coffre simple. Yeah. Ah ouais. J'ai du mal avec ces coffres là, on a l'habitude des autres. Oh putain. Voilà. Allez, je regarde vite fait ce que j'ai chopé. Et il faut que tu regardes aussi ton stade vampire. Ouais, je vais te dire ça. Associé. Et c'est tout, j'avais le gantelet du pack vert. Putain, j'aurais que du pack vert. Au stade vampire, à droite. Ah pardon, je suis à 1. Ah, il faut que tu montes. On trouvera un PNJ à croquer. Ouais, il faut que tu montes au moins de A3. Vous voulez nous libérer avec la pierre d'harmonisation. Ne prenez pas cette peine. Ce n'est pas oh, la liberté. Attends, un intermédiaire. Désirez, mais votre chair. Oh. Putain, ça fait bizarre que ce soit moi qui trouve les coffres. C'est ça, mais moi, ceux-là, j'ai du mal à les voir. Ouais, mais c'est pareil. Là, j'ai du cul, en fait. Parce que j'ai vu le truc, j'ai fait. Oh. Ah, le gant de cire à base, je l'ai pas. Ouais, c'est ça. Associé. T'as raison, hein, en fait. Effectivement, il m'a filé des trucs que je n'avais pas dans les collections. Ouais. Là, il y a des livres. Intéressant. Et voilà, c'est fait. Je t'ai même pas dit bonsoir, désolé, vous tu vas bien? Je vais bien, je te remercie, t'inquiète cher. Pas. Où que vous alliez, nous y sommes non, déjà. Ah. Ah. C'est ici, non? Qu'on devrait avoir le boss, non? Cherchez-vous toujours à nous libérer avec la pierre de cire d'or. Oh, nous vous avons déjà planté. Oh merde. Elle arrive bien trop tard. Et si vous pensez que nous bah, ne dépasserons pas lorsque nous sommes libres, il nous semble qu'un rire puissant est la réponse que choisirait votre race. Bonjour. Ah.
Crasse-toi, Tigrou. Allez, hop. Attends, j'hallucine, mais je crois que... Ah mais non, c'est pas ta mairie, c'est la mairie d'une autre. Bah écoute, je t'attends. Ouais. Prends ton temps, prends ton temps. C'est pas aux pièces. Par contre, on a oublié de looter l'éclat, je crois. Ouais, ouais, c'est normal. Ouais. Ouais. Ok. Ah, on est bien, Tintin. On est bien. On est bien, là. Il y en a certains, ils sont en mode chien de garde devant les boss. C'est rigolo. C'est ça. En fait, tu peux le déclencher qu'une fois. Le boss. Ah non, non, j'en vois une, elle attend le troll qu'on a buté, tu sais. Ah oui. Donc je vais. En t'attendant, je pense que je vais lui tenir compagnie. Ah ça y est, je suis. C'est cool, pire. C'est good? Ouais. Allez, super. Bah écoute, je vais à la prochaine pierre. C'est cool. C'est good. Notre espèce lumière nous rappelle le soleil. Ouais, je te laisse l'enclencher. Parler à Sainte-Racine, ok. On l'expédie, hein. Comme celle du soleil. Nous sommes la ouais. Jungle. Nous fûmes d'accord. Piégés dans la présent que nous sommes libres. Retournez nous vers voulez retourner vers le vert. Oh, level up. Voilà. Yes. Niveau 36. Et tu vois qu'on a bourré. Mieux que les autres fois, hein. Oui. Il y a la deuxième quête. Quête de quête. Récupérer les journaux, ouais. Là, normalement, les bestioles sont plus agressives. Ça nous empêchera pas de débuter. Tu n'es pas l'ami des animaux, toi. Hein. Ah, il a loupé le... Hmm, tu as loupé le... Il y a un pare-chaud. Où ça? Ah oui, une question insistante, voilà. Ah oui, quand tu dis que tu veux tous les buter, tu les butes ah tous. Oui. Ah oui. D'accord, il n'y a pas vraiment de négociation en fait. Ah ouais, ça fait de la peau. Et la peau, ça fait du pognon. Et le pognon, c'est le pognon. À gauche, Fa 4. Ouais. Je me dis que quand même, on fait un excellent boulot de régulation de la faune et de la flore, quand même. C'est ça. L'éclat. Il est où? Il est là. En tout cas, il n'est pas là le boss, hein. Donc on peut se détendre. Perfecto. Vous avez obtenu un point de compétence. Merci. Ah bah il est là. Ok. Allez. Et voilà, il est mouru. J'ai looté de la merde. Pacte vert. Non, même pas. Si, si. Oh, bah non, non, je te jure. Soleret si, de si. Dwemer, chaussures en soie d'araignée, baudrier en soie d'araignée. Si, si. La hache du pacte vert. Ah, oui, la hache du pacte vert. Bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Autant pour moi. Bâton infernal. Ouais, non, non, mais le reste, c'est bon. Putain, j'aurais tout le stuff pacte vert, quoi. Quel bonheur. Et il nous manque un boss. Celui du milieu. Ouais, celui du milieu, ouais. Avec le journal qu'on a fait que lire, en fait. Non, en fait, je pense qu'il doit y avoir un ordre pour les récup. Ah, c'est fort probable. Comme ça déclenche effectivement peut-être le boss qui est central, tu vois ce que je veux dire?
Ouais. On a quand même planté la tente un bon moment et il est pas apparu, donc ça me paraît pas déconnant. Ouais, c'est probable. Enfin, vu que c'est lié à une quête, bien sûr. Évidemment. Oui. Bah attends, on bute les mobs là? Ouais. Je sais pas pourquoi il apparaît pas. Bah, il y a le journal qui est derrière, donc on va le refaire, le coup du journal. Peut-être que c'est ça qui nous manque. Ah là. Ah, ça y est, j'ai pu le prendre. Apporter les journaux de Atandarae. Ah bah oui, mais attends, et il est où le boss? Attends, il est pas le boss. C'est quand même bizarre. Bon bah écoute, on clean les mobs et on avise. Ouais. Oh putain, je déteste ces plantes. Lâche-moi! Saloperie. T'es où? Là. Ah oui, tu t'es fait des copains, c'est vrai. À gauche, je me suis fait aussi des copains, donc si tu veux looter. Par là-bas. Voilà. Bizarre tout de même. Bonsoir à toi, Shoes. Merci beaucoup pour le follow. J'espère que tu vas bien. Je sais pas. C'est bizarre tout de même, non? Ah, parce qu'il devrait popper. Attends, on a qu'à attendre 2-3 minutes et puis on avise, hein. Écoute, on va pas rester comme des guignols, hein. Moi, en tout cas, il est toujours avec en noir. Vainquer griffe muette. Ah, attends. Ah putain, au-dessus. Oh là là, mais tellement le vice. Et comme des cons. Mais tu vois, c'est pour ça qu'on passe des fois des heures dans les antres. Non pas parce que c'est difficile, hein. Non, non. Ah bah, il est là, griffe muette. Ouais. Et je pense qu'on n'est pas les seuls. Que des mecs qui tournaient en boucle. Ouais. À moins qu'ils ont la flemme de monter. Ouais, ou le serpent. Ouais, bah tant mieux. Qui continue à l'oublier. Et il y a un coffre derrière. Et je suis en train de le looter. Dans le doute. Et hop, merci. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai récupéré? Du pognon. Super, super. Non, mais c'est cool. Ouais, les. T'es redescendu. Ouais. Voilà, ça serait plus rien. Les coffres simples, ça vaut pas le coup au final. Oui, mais ça, je le prends pour les points d'expérience, ma poule. Ouais, voilà, y a que l'XP qui. Et c'est là. Vie. On sort, on donne la quête. On dit merci, au revoir. Ouais. On tue même pas les petits trucs. Hein. Par contre, dès qu'on sort, j'en profiterai pour associer directement. Hein. Ouais. Aïe. C'est un mécanisme que je trouve assez bizarroïde quand même. Deux. Dans certaines antres, les mobs deviennent inoffensifs. Non, c'est logique. Parce qu'en fait, tu as résolu le problème ou la malédiction ou un truc dans le genre, mais bon. Ouais, tu adhères au pacte vert là, donc forcément les animaux, c'est tes potes. Vie. Alors la quête, quéquette. Oh, vous êtes revenu. Oui, madame. Voilà, c'est fait 12 000. Attends, je regarde vite fait. Oh, on a des livres devant nous. On a surtout l'atelier. Attends, être étourdissant. Ah, c'est peut-être ici. Ah oui. Ah bah non. J'ai déjà associé. Oh, c'est relou qu'on puisse pas trier comme ça. Le journal d'Uranio. Ouais. Ouais, mais. Ouais, c'est les livres qu'on oui, est allé chercher. Oui, qu'on lui a étalé gentiment. Tu veux qu'on fasse une prochaine entre? Peut-être pour essayer de choper? Non, on va aller chercher ça. Il y a deux cristaux à aller chercher aussi. Dac. Falcat, mets ton bâton en main, s'il te plaît. Hein? Non, j'ai pas besoin. Non, j'ai besoin d'avoir deux mains, moi. Là, il y a un petit journal. Zerkout. Là. Il y a un cristal. Allons-y.
Oh, le frimeur. Là, il y a des connards. Sans moi, c'est recta. Bonne nuit, Tanar. Je vais mettre la viande dans les... Je vais mettre la viande dans les torchons. Mais non, on dit rouler le jambon dans le torchon. Ouais, rouler le jambon. Bonne nuit à toi, Tanar. Des gros bisous. Bonne nuit. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Ah, là. À force de tourbillonner, j'ai la nausée. Merde, j'arrive pas à le choper. Ah. Au secours. Ah, c'est bon. Je suis resté bloqué pendant quelques secondes, c'était un peu bizarroïde. Yeah. Ah douche. Là, on va aller chercher lui. De quoi, la pierre de Mundus? Ouais. Ça fait de l'XP. Ah, bon, je vais pas te dire le contraire. Hein. La tour. Là, il y a un livre. Yep. Ah, il y a Mike. Tu veux qu'on lui parle? Ouais. Allez, je te laisse ouvrir le bal. Ah non, 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 mais c'est... Il faut juste que tu lui parles. D'accord. En fait, il y a une... Les squelettes des il y a un succès caché. Et il faut trouver Mike, le menteur, dans tous les... C'est un peu... Dans toutes les maps du jeu de base. Ouf. Voilà. Donc. Me dis pas que tu l'as débloqué. Non, non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Il faut le faire avec. Avec un seul personnage, donc. Ah. Là, on va aller chercher ça. Il y a trois trucs. Ah, il y a le dolmen. Ouais. Mais je crois qu'il est activé il y a pas longtemps. Ouais. On pourrait débloquer aussi l'oratoire qui est là et on a un livre pas trop loin. Ouais. Ouais, ouais. Oh, c'est pour des expériences à prendre, quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, c'est une bonne idée. Hop là. Ah, celle-là, cet endroit, il est top. Là, il y a une quête de fou aussi. Ah, attends, il y a le livre qui est pas loin. Derrière l'arbre. Affirmatif, je l'ai trouvé, il est là. Là. Voilà, nickel. Bah, tu veux qu'on retourne au dolmen? Non, on va aller en ville. Il y a un livre à choper. Allons-y. Toi, tu vas mourir. Pas d'effet de surprise, hein. Non. J'aime bien parce que le truc il est suspendu comme une couille. Et t'as trois joueurs qui tombent dessus. C'est ça. Il était stylé d'ailleurs son perso. Ah, j'ai vu, monsieur. Ouais. Ah, petit livre, pas trop loin. Ouh. Ouais, ouais, on va aller le chercher. Oh, bah il a disparu de... Il apparaît encore chez toi? Ouais, ouais, mais moi j'ai le marqueur dessus. Ah oui, ça y est, je le vois. Et derrière l'arbre, comme d'hab. Yeah. Et en plus, petit sac à dos. Sac à dos, ouais. Sac à dos. Ah, et merde. Sac lourd. Est-ce que tu aurais ton vendeur? Ah ouais. Ouais, parce que là, je suis trop... comment dire? Merci. Vous avez plus de kibri. Alors, qu'est-ce que je vais te refourguer? Parce que j'en ai du merdier à refourguer. Je garde pas hein, le pacte vert, on est d'accord? Ah non, 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 non. Non, mais là, il faut que tu les décraftes. Ah,
Ah merde. Ouais. Oui, non, mais j'ai vendu les trucs qui étaient, tu vois, qui font du pognon, quoi. Après le reste, je le garde. Mais... Non, il vaut mieux que tu décraftes. Même ceux qui font du pognon? Ah ouais, ouais. Ah, tu veux que je le récupère? Je peux le racheter. Hein. Ouais. Ah ouais, mais là, il faudrait que j'aille à Vanderfeld. Hein. Non, non, il y a la ville à côté. Attends, non, il y a des trucs que je peux vendre. Il y a deux merdouilles. Attends, bouge pas. Les carapaces, je vends. L'ectoplasme, je vends. Œufs d'araignée pétrifiée, je vends. Point femme, racine souple, racine souple. Voilà, c'est tout. Merci, ma poule. Attends. Je vais me traiter. L'objet de collection, on va voir. Oh, gage de sainte racine. C'est tout? Je suis colorant en vert, ok. Ah ouais, j'en ai des tonnes de trucs à décrafter, comme tu dis. J'en ai une torpille. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'il y a un atelier? Il n'y a pas d'atelier. Non, je te disais, l'oratoire est pas loin, on a qu'à faire un... Ouais, un aller-retour vite fait. Il y a un éclat. Où ça? Dans la... Ah, mais je sais pourquoi il n'y a pas d'atelier ici. Ah, je sais, je me souviens. Ah bon? Ouais, elle est occupée, la ville. C'est pas charmant comme accueil, hein. En fait, tu peux la libérer, celle-là. Ah. Et je suppose qu'après, tu auras le droit à un atelier. Ouais. La libérer fait partie d'une quête. Ouais. Ouais, c'est pas grave, on a qu'à prendre l'éclat. On s'arrache avec un oratoire. Vite fait, bien fait, et puis... Tu vois, tu l'as là. Ah, bah oui, je vois. Là, tu as tout. Ah, mais j'ai accès à atelier de couture, parfait. Ah, bah tu... Ah, ça va. C'est bon. Je te précise que j'ai pas fait la quête, hein, donc... Non, oui. J'ai pas fait avec ce perso-là, et j'ai accès aussi. Ok, 3 points pris, ça fait toujours plaisir. Ah, super. Je garde rien du pacte vert, on est d'accord. Non. Mais tu gardes rien du tout, en fait. Oui. Non mais, qu'on s'entende bien. Même si tu arrivais à looter, admettons, le trameur, tu le gardes pas. Parce que bah non, ça ne sera pas à niveau. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme atelier? Bah, je crois que c'est bon. Hein. Ah, je suis à 40. Pourquoi je suis à 40? Les potions, les trucs comme ça. Ah, les glyphes. Il n'y a pas un atelier pour les glyphes ici? Ah, c'est pas dit. Ah, merde. Non, il y a forge, bois. Bon, après, c'est pas grave, hein, j'ai quand même vidé correctement, hein, donc... Là, il y a une petite note. Ouais, pris. Ah, peut-être là. Voyons voir. Ah non, c'est le marchand de sac, là. Oh, c'est pas grave, Falcat, hein. Je me suis quand même bien vidé les poches. Hein. Je suis à 37 sur 110, donc... Honnêtement, ça le fait, tu vois. Ah, attends, peut-être en face, regarde. Ah oui, exact. Atelier d'alchimie. Ah non, il y a quand même l'alchimie. Ah, putain. Bon. C'est pas de la mauvaise volonté, hein. Ouais, après, c'est pas très grave. Hein. Oui. Ah,
le fameux éclat, super. Oh, bonjour. Ah oui, c'est vrai que c'est du c'est good. Quoi, on peut pas prendre le sac à dos? Non. Oh, attends, bien sûr qu'on peut servir, regarde. Ouais, mais c'est du vol. Non, c'est pas du vol, c'est un emprunt. Ah, c'est du vol. Ça dépend de quel point de vue on se situe. Baisse-toi. Ah bon? Non, baisse-toi. Ouais. Et essaye de bouffer le dernier. Quoi, la petite, là? Ouais. Attends, il faut que j'aille... Attends. Putain, mais... Ah, attends. Allez, merde. C'est bon, j'ai croqué. Donc t'es niveau 2. Ouais. Essaye ici. Bouffer. Oui, attends. J'ai peut-être une idée. En me mettant de traviole comme ça. Ouais. Tu vois. Ah, il faut que tu sois bien de dos. Hein. Ouais, je sais, mais je fais ce que je peux. Voilà, je l'ai. C'est bon, je suis de 3. Voilà, parfait. Allez, c'est bon. Eh ben, on va aller chercher le livre. On a pu dégrafter, prendre un petit casse-cou sur la route. Franchement, c'est une des sorties scolaires classiques. Hein. Ah oui. Là, il y a plein de méchants. Alors, le livre, il est par là. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ouais, il est là. Tu veux combattre tous les cas qui sont là? Il y a un atelier. Ouais. Ah non, c'est un marchand, un simple marchand. Un emplacement de simple marchand, je pense. Oh. Ouais. Bonsoir Émeraude, comment vas-tu? Ça faisait longtemps, mais je peux enfin me détendre. Eh ben, c'est bien là l'essentiel. Ouais, on va bouger. Ouais. Tu veux qu'on fasse encore une entre dans le coin? Ouais. Ou on va essayer de bouger autre part. Ah, une autre région? Quoi que oui, le trameur. Ben, c'est pour ça. De base, on était venu pour ça, donc. Je peux te dire peut-être. Ah ouais, mais moi j'ai pas les autres oratoires. Hein. Ah non, je sais que c'est pas une source d'inquiétude. Là, tu peux. Là, tu peux. Mais t'es... Tout est paix. Sur toi? Mmh. Ouais. Attends. Voyage rapide. Y arrive. Et je vais magnifiquement bien. Et vous? Bah écoute, ça va et ça fait extrêmement plaisir. Tranquille, hein. Ça fait extrêmement plaisir de savoir que tu vas magnifiquement bien. Ça fait plaisir. Celui-là. On va aller chercher ça. Tu sais, j'ai eu mon entrée, mon plat. Je prends pas de dessert. Non, jamais le plat. Je sais. C'était de l'espièglerie. Le pays des loups-garous. Vilain chien, vilain. Couché. Pas gentil le toutou. Faut pas que tu t'éloignes. T'essaye de rester groupé, Franck. Rester groupé? Ouais. Yeah. T'as tendance à reculer sur les ennemis, il faut pas reculer. Bah, ça dépend avec quel perso, mais avec celui-ci, ouais, j'ai tendance à reculer. Ouais, mais il faut pas reculer. Ah, attends. Il y a que... Oui. Il est là. Il est là. Ah, ok. Yep. C'est bon. Qu'est-ce qu'on a après? Tu veux qu'on fasse l'œil, peut-être? Il y a une antre juste au-dessus. Une antre juste au-dessus. Ah, ouais. Ouais. Bonne nuit, Dorbatchev. Des gros bisous. Bonne nuit. Et il y a une quête avec, je pense. Ouais, c'est ça. Allons-y. Croyez-moi, Tendil. Bla, si. Tuer tout le monde, ok. C'est ça. J'aime bien ce genre de quête. T'as peur qu'il y ait du monde?
De quoi? Dans l'antre? Oh non, je pense pas. Donc, comme j'ai vu bourré, je me suis dit, il y a peut-être genre beaucoup, tu vois. Non, en général, les antres. Oui, il n'y a pas un rat, mais bon, regarde tout à l'heure. Ouais, c'était un donjon. Bon. Ah, je crois que je me souviens de celui-là. Mais créant ! Tu regardes s'il y a des coffres ? Ouais. Ok. Ok. Côté de l'escalier. Oh, vampire amélioré au rang 10, cool. J'ai débloqué Maître Vampire, c'est cool. Voilà, tu peux la mettre en ulti. Ah, t'en bouge pas. Pour le faire, Pex. C'est pas guide des voleurs, c'est culturel. Non, c'est pas culturel, qu'est-ce que je dis comme connerie. C'est où? Ah, vampire. Ah, bah j'ai descendant de sang, c'est ça que tu veux dire? L'ulti. Oui, c'est le descendant de sang. Ouais. J'ai pas le temps de lire, il fait quoi? Vous transforme en monstrueuse créature de la nuit. Oh. Par contre, en bâton de soin, t'es à combien de niveau? Alors attends, tu me laisses 2 minutes, je te dis ça. Bâton de destruction, j'ai pas bâton de soin. Ah, parce que... Il faut que je switch? Ouais, tu vas switcher. Ouais. Donc ta deuxième barre, pareil, tu la refais. Yep. Une seconde. Tu mets... En premier, tu mets... Ouais, je t'écoute. On va bourrer le truc. Mais attends, parce que moi j'ai pas débloqué un bâton de soin. Ah oui, c'est... Attends, 2 secondes. Ça va se débloquer en faisant ça. Voilà. Mettez-y le feu! Ok. Voilà, ligne de bâton de rétablissement débloquée. Voilà. Donc là, tu vas garder 2 emplacements. Ouais. Juste pour le soin. Donc tu vas mettre le premier, soin généralisé. C'est pris. Le deuxième, tu peux pas le mettre, mais tu vas garder le vide. Et dans les 3 derniers, tu mets une compétence de classe. Attends, parce que t'es allé trop vite. Tu veux pas que je mette régénération? Tu l'as, le deuxième? Bah je peux le claquer, ouais. Ah bah mets-le. C'est bon. Et donc le 3ème, 4ème et 5ème? Tu mets un de chaque en classe. Que tu veux augmenter en fait. Enfin que tu veux faire atteindre niveau 4. Donc je vais mettre attends. Parce qu'il y en a certaines. Siphon. Ah bah je peux prendre frappe siphonante et la rajouter. Comme ça elle va prendre des levels. Ouais, j'avais déjà fait en fait. Bah, je vais mettre frappe siphonante. Voilà. C'est bon. Et en ulti, tu mets le vampire. Ah, je remets le vampire? Ouais, et quand le vampire va passer level 4, yep. Bah, tu changeras, tu mettras une ulti de classe jusqu'à l'augmenter au niveau 4. Parce que j'ai débloqué aucun des trucs vampires, à part éviscération, j'ai pas pris frénésie sanguinaire, drain vampirique, fascination, forme de brume. Tu aurais dû. Bah oui, mais comme tu m'as dit, en classe, les classes en priorité, j'attends que ça monte, tu vois. Ouais, bon, c'est pas grave, on fera plus tard. Le vampire, au pire, on fera plus tard. Ok, c'est bon pour moi. Allez, c'est bon. Et tu gardes bâton de souhait? Oui, je suis dessus, ne t'inquiète pas.
Ah, je vois que ça bourre. Ouais. Oh putain, le joueur de merde. Ouais, mais c'est ça. Je pense qu'en fait, il a compris. Et il va bien nous casser les noix. Voilà. Ah bah il nous a attendu quand même, hein, avant de taper. Ouais. Solerie du pack vert, fermez le portail. Ok. T'as vu Falcat, on agit bien nos petits bâtons. C'est ça. Attends, il y a l'éclat qui est pas loin, je pense. Et il y a l'éclat qui est à côté. Ah, il est là. Il est tout con celui-là, le donjon. C'est couloir. Ouais, c'est couloir. Ouais. C'est couloir. Bon, après, il n'y a pas des entres de ouf hein, non plus. Non. Ouais, super. Putain, la minimap, elle se met jamais à jour rapidement. Hein. C'est. Gonflant. Ah, des bibliothèques, Falcat. Ouais, ouais, ouais. Et coffre. Où ça? Là, vite. Non mais le mec a bourré donc il a même pas vu le coffre quoi, je crois qu'il s'en... C'est pas qu'il s'en beurre un peu le... Oui, l'arrêt. C'est 200. Je pense qu'il s'en fout, ouais. Genre royal tu vois, voilà c'est bon. Par contre j'ai encore looté du pacte vert, c'est déconcertant. Ouais. Très déconcertant. Après ça serait bien... Ah bah la fin tu as looté un peu. Ouais. Bon là normalement avec le bâton on va prendre vite hein. Oui le bâton il va prendre super vite. Parce qu'à chaque fois je vais débloquer au max tu vois une compétence, je la mettrai sur la deuxième barre. Ouais après histoire que ça bourre un peu quoi. Après le bâton t'es pas obligé de tout débloquer non plus. Ouais mais c'est pour aller plus vite. Après on s'en fout, on va réattribuer les points, tu vois. Parce que le... Non mais parce que le bâton de rétablissement... attends... Rétablissement... Ouais. Les deux dernières... tu t'en fous. Voilà. Y a que, à la limite, les trois premières qui servent. Ouais. Et c'est, ça sera surtout, je pense, régénération. Attends... Putain, soin généralisé, il est déjà niveau 4. Et ah, régénération oui. Niveau 4. Ouais, ça va vite. Hein. Oh, ouais, ça va. Donc en fait, tu voudrais que je prenne bénédiction de protection la troisième. Ouais, c'est ça, c'est bénédiction de protection. Mais tu gardes toujours les deux dans, le, dans la barre. Dans la barre, ouais. Surtout... surtout la régénération... régénération. Surtout la régénération. Tu le vois où toi, la deuxième. Ah d'accord, celle-là il faut parce vraiment normalement... la conserver. Ouais, parce que ça, c'est celle où, qui te soigne plus un allié, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, parce que là tu vas faire du heal. On va aller chercher ça. Oh, c'est considéré comme du pillage, mais c'est pas juste. Là il faut parler à... Oui, oui, ça y est, je l'ai rendu déjà. Il file la ceinture de Stibon. Ouais. Stibons. Le pauvre, comment il est traité à chaque fois, j'adore. Ah ouais. Dame... Oh, comment elle s'appelle, cette nana? Elle est tellement charmante. C'est ça. Dame machine. Y'a des trucs là. À prendre, là? Là, il y a ma... Ouais. Recette de la tourte. Ah, là t'as un sac à dos, ma poule. Ouais. L'opsy. Et de la bouffe en fait. Bon. C'est pas oufissime. L'antre, ça va être très très chiant d'aller la chercher. Livre. À l'ouest. Ouais. Je sais pas, hein, je me suis dirigé, mais est-ce que tu veux qu'on y aille?
Ouais. Voilà. Alors... Bon, il a un poil plus haut. Il y a un poil plus haut. Derrière l'arbre, je vais subodorer. Comme d'hab. Yep. Ouais. C'est-à-dire, écoute. Attends, je prends de l'érable. Comment ça se fait que j'ai un squelette avec moi? Ouais, c'est normal, c'est la quête. Ah, d'accord. Non, l'intre, ça va nous... J'ai vendu un truc. Tu sens le plaisir, tu sais, dans la voix. J'ai vendu un truc. Attends. Alors, est-ce que c'est... Ah, 48 000. Bien. Voilà. Ça, c'est déjà... C'est fait. Voilà. T'as qu'à faire. Bâton de rétablissement amélioré au rang 9. Ah oui, ça va aller vite. Oui, ça va aller vite. On va tracer quand même. Ok. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un truc à l'écran qui s'est passé, mais qui était un peu bizarroïde quand même. C'est-à-dire... Je sais pas, une espèce de décalage d'image. Ah, c'est... C'est possible. Allez, niveau 10 pour le bâton de rétablissement. Attends, laisse-moi regarder. C'est quand le prochain? 14. Ok. Marc, si t'es fatigué, tu peux aller te reposer, mon garçon. Sac cadeau. Ah, mais je vais. Ah non, moi il est vite. J'ai récupéré de la merdouille, hein. C'est pas. Ah, tu veux qu'on fasse le Warboss? Ouais. Et je reste au bâton de rétablissement? Ouais. Tu es candidat au suicide? Oui. Non. Par contre, il faut pas que tu prennes un gros. Ah, pardon. Oh. Faut que tu heal. Il faut que je heal? Mais attends, c'est la première fois que je heal. Bah, il faut que tu heal. Ok. Donc moi je tape pas? Non non. Je suis content de healer quand je suis... Quand tu vois que je suis bas. Comme je suis en train de le faire ou c'est de la merde? Ouais ouais. Non non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bah, c'est la première fois pour moi. Ouais non non. Pas compliqué le healer. Ouais. Oh, ouais. Il y a un joueur en plus avec nous. Oh putain. Au secours. Au secours. Donc j'ai pas le droit de taper? Non, non, tape pas. Si tu tapes, tu prends l'arbre. D'accord. Je sais pas si je te soigne en fait, c'est ça le truc. Et si, il faut que tu restes à côté de moi. Ah ouais? D'accord. Ouais. Ah putain, il a fait déco le boss. Oh, quel débile ce joueur. Qu'est-ce que c'est ce joueur? Ah non, merde, faut tout refaire. On fait chier, putain, quel connard. Ouais, bah on va lui laisser prendre la broie. Ah oui, il faut être vraiment à proximité de toi, quoi, pour te soigner. Ouais, ouais, parce que sinon tu soignes l'autre joueur. D'accord. Oui, c'est plutôt toi que j'ai envie de soigner. Hein. Enfin, c'est pas de la méchanceté, hein, c'est... voilà. Ouais, l'autre, il peut aller... Attends, par contre... Va ta poteau. Attends, parce que moi, il faut que je reprenne un peu de mana. Waouh. Ouais, il t'a fait mal, celui-là. Ça fait bizarre de jouer, il. Je t'avoue. Ouais. Après, c'est sympa, il a...
Putain, il reste à côté de moi, ce con, il a profité du pouvoir. Bon, après, je t'avouerai qu'il y a Miri... qui aide. Aussi. Ouais, ouais, non, ouais. Mais tant mieux, parce que... je t'avoue que je suis un peu perdu. Hein. Ce qui n'est pas de la mauvaise volonté, tu en conviendras. Hein. Oh. Bah, le problème c'est que comme il reste collé à moi, c'est lui qui bénéficie. Ah ouais. Mais c'est pas grave. Ah mais non, j'ai soigné Miri en fait. D'accord. Niveau 37. Voilà, GG. Oh, l'homme du... Oh, homme du pack vert. Putain, mais tuez-moi, quoi. Tuez-moi. Pitié. Non, non, en fait, quand je soignais, apparemment, c'était Tamiri aussi. Ouais, c'est possible. Bon, lui, là, il en a bénéficié aussi, mais bon, c'est ce que tu veux que je te dise. Tu me laisses reprendre un repas fortifiant. Ouais. Et dans 5 secondes, je reprends un parchemin. Ouais. Ou tu sais quoi, on attend et dès qu'on est ouais, devant l'autre. Ouais. Ouais, ouais, attends. Maraudeur de la mousson. Oui. Et on va aller chercher. On va aller chercher celui-là. Vie. Ouais. Surtout qu'il y a un éclat qui est pas loin au sud. C'est celui-là qu'on va chercher. Ah ouais, mais je me suis douté. Bien. Tu les prends pas les runes ? Non. Tu trouves pas ça intéressant? Si, mais vous là, halte. Le samedi soir, je farme très peu. D'accord. Comparé à d'habitude. D'accord. Je suis en RTT, mec. Toute la semaine, je bosse, c'est bon, hein. Non, mais le principal farm, quand il y a beaucoup de personnages, c'est les repérages. Ah, les repérages, c'est tellement le bonheur. On découvre l'oratoire ? Ouais. Histoire d'être tranquillou. Ah, et puis on peut enchaîner même un livre, tu vois. Vous là, halte ! Ouais, ouais. On va être bien. Il y a un grand danger devant nous. Il y a un grand danger devant nous ? Ah. Vous là, elle m'énerve, la petite à des pop-pop. Il y a un grand danger devant nous. Ouais, c'est un peu chiant. Et voilà. Nickel. Oh, bah il y avait du... Ah, j'ai cru qu'il y avait du pognon, mais en fait, non. C'est... Petit fantasme, gratuit. On va aller chercher l'autre entre. En débloquant la ruine. Vous là, halte. Ouais, surtout qu'il y a trois livres à proximité de la ruine. Dans la ruine, là ? Non, là. Ici. T'en as un ici, apparemment. Vas-y, vas-y. Non, mais c'est le même. C'est le même ? Ouais, ouais. Ah, tu vois, normalement, il devrait être ici. Par rapport à la mini-map, hein, je dis. Ou de l'autre côté. Ou de l'autre côté, ouais. Il faut qu'on rentre, peut-être. Tu l'as pas entre les... Entre les ? Entre les racines, non. Non. Tu l'avais pas ? Non. Non, non, non. J'ai rien vu donc. Par contre, c'est rigolo, tu disparais, tu réapparais. Ouais, c'est des problèmes de synchronisation ça. Il faut que tu regardes un autre. De quoi ? Un des trois. Tu as dit qu'il y en avait trois. Oui. Il faut que tu regardes un des trois. Pas ah celui-là. Celui-ci, je me suis pas approché donc. Ah,
Attends. Là, peut-être non. Là. Vas-y. C'est bon. Voilà, donc ça c'est fait. Série complète. Ah, vous avez trouvé tous les livres qui composent la connaissance du bois de gratte. Ouais. Oh. Donc tu as pris plus 25. Oui. Bonheur. Niveau 13, allez, plus qu'un point et on peut débloquer une troisième. Tu vas aller où? Je vais aller chercher. On va aller chercher l'éclat. Tu le vois où? Dispersez-vous! Bonsoir, Melkal Killer, comment vas-tu? Eh bah écoute, ça va. Ça va, ça va. C'est vrai qu'il fait frisquer, mais ça va. Enfin, je fais tourner la clim réversible à fond de balle. Là, coffre. Oh. Merci, Falcat. Merci beaucoup. Pas de soucis. Oh, attends, il y a une cargaison volée. C'est un peu comme les pochettes surprises, tu sais. C'est ça. Ah. Bon, en général, c'est du blanc. Hein. Ouais, bobine de ligne de pêche. Je vais pas te dire que je suis déçu, mais un peu quand même. Ah, oh, ça y est, tu les as clinés. Ouais, ouais. Okay. Vous là, halte! Il y a un grand danger devant nous. Bonne nuit, Stifler Sonic. Et gros bisous. Pourquoi t'as attaqué ces pauvres Vassar? Que ça rapporte des des ingrédients. Bon bah d'accord. Ah! Ah, ok. Ah bah ça, ça fait plaisir par contre. Super. Bon. Parce que là aussi, tu as les bijoux de... Du travers. Des bijoux... Ouais, du set, ouais. Je suis après un peu déceptionné quand même. Hein. Après le trameur, c'est pas très grave. Voilà. Il y a un boss. Mais on vient de le cliner, ouais. C'est celui qu'on a fait. Ouais. Ah, tu parlais de l'éclat, d'accord, ok. Parce que moi je regardais sur la minimap, je me dis, mais il l'a vu. Pas trop beau. Ah ouais. Poupidou, pidou, pidou. Et toi, Marc, c'est quand que tu te mets à tes os? Quoi, je recrute? Non. On peut aller chercher ça avant. Et voilà, ah, rang 15, parfait. Tu me laisses le débloquer? Ouais. C'est une prière de combat. Non, prière de protection. Et... Ouais. C'est bon. On peut poursuivre. Ouais. Celui-là, il peut être sympa aussi à mettre dans la barre. Ouais, mais comme j'ai prévu de pratiquement toutes, enfin, de toutes les débloquer, non, ce serait pas plus simple. Non, les, comme je te disais, les. Ouais. Les deux dernières, ça sert à rien. Attends, tu veux bien que je regarde ce que je peux foutre pour augmenter? Attends. Menteur, je t'ai vu. Ah non, c'est qui m'a attaqué. Ouais, bien sûr. Tu comprends, Franck, il m'a attaqué et tout, il m'a mal regardé et tout. En fait, les deux dernières. Ouais. Honnêtement, est-ce que je peux virer régénération et soins généralisés en attendant et mettre des compétences de classe que j'ai pas encore non. Bourré? Non, parce qu'en fait, plus tu auras de compétences de classe dans cette barre là, plus le bâton va prendre. Ouais. Bah écoute, je vais modifier parce que j'avais mis mutilation 2 et frappe siphonnante, mais comme ils sont déjà, je pense. Ah, mutilation non plus et frappe siphonnante non plus. Bah, je vais pas les bouger, écoute, tant pis. On va attendre. Niveau 4. Ouais. Il faut qu'il y ait un Ouais.
Patience, patience. Ah yes, il y a un livre. Faut le trouver par contre. Ça y est, trouvé. Je l'ai. Tu l'as ? Ouais. Ok. Mais il y en a un autre là-bas. Ah mais non. Il apparaît plus. Donc je suppose mais que... Non, c'est le même. En fait, tu as le même livre de plusieurs endroits. Oui, non mais ça je l'avais remarqué, mais comme je regarde ma minimap, je me suis dit, bah tiens, il y en a un autre. Et quand j'ai vu qu'il apparaissait pas dans le... Dans le HUD. Ouais. Du coup, automatiquement je me suis dit, oh d'accord, bah, c'est bon. Merci monsieur Dab. Ok. Bon. Alors là, je me souviens plus comment on fait pour monter. On va faire le tour au pire. Oh. Bon, on en est, c'est pas non plus le drama. Oui. Ah bah super, un livre. Comme quoi, notre petite balade est quand même bien. Oui. Ok. On se sera bien mis en cuir quand même, hein. Oui. Oui, c'est pas mal. Bon, il y a mieux, mais honnêtement... Ah, attends, je coupe un petit peu de bois. De bois. De bouée, du bouée. On a un petit livre qui est pas loin. Enfin, je sais pas si tu l'as pris ou pas. Il est quelque part... À mon avis, il doit être dans les hauteurs. Oui, il est là. Ah, eh bien, il doit être là. Ok. Ah, il est peut-être en haut. Oh putain. La flemme. Ouais, mais on doit y aller en haut. Ouais, je sais. Grosse flemme. Non. Ah non, ah non, non, attends, il est par là. Il est en haut, effectivement, mais il doit être planqué par là. Ça y est, j'ai trouvé. Ah ouais. Un peu relou quand même, hein. Après, ça serait trop simple. Hein. Bah, c'est des livres, pourquoi les planquer derrière des arbres? Il y a des bibliothèques pour ça. Ouais. Tu sens la grosse fainéance quand même. Mais tu peux en trouver, hein? Dans les bibliothèques? Ah oui. Oh bah, moi je les fais toujours comme ça, c'est-à-dire. Oula, pas touché. En même temps. Pas de témoin, tu vois. Oui, certes. Ah, il y a un grand danger. Le seigneur. C'est bon. Et sans déconner, j'ai commencé 33. On est à 37. Ah oui, ça va vite. Hein. Ah, ouais. Sortez-moi de là. Et encore, c'est pas la méthode la plus... Non, non, on aurait pu très bien aller au désert d'Alikir et puis à Vanti, tu vois. Ouais, livre en face. Non, mais avec le désert d'Alikir, moi franchement j'ai eu de bons résultats, tu vois. Oui. Tu sais avec Jarvin, oh, là. Ouais, oui, oui, oui. Non, mais c'était je l'ai. Ah, tu l'as, d'accord, ok. Ouais. Le Warboss. Ouais. Ok. En fait, tu as des... Si tu fais par exemple tous les livres de... d'une région, en général, il t'en reste très très peu dans les autres. Ah bon? Ouais, tiens des doubles. Oh. Mais à part augmenter la guilde des mages, je vois pas trop l'intérêt. Mais augmenter la guilde des mages. Et c'est bien vu. Alors, oui. T'es là? Ouais. Oui. Allez, boum. Boum bébé.
C'est mieux comme ça, à côté de toi? Ouais, t'inquiète. Oh, je m'inquiète pas, hein. C'est juste que je veux pas que tu meurs. Non, non, mais... Non, mais c'est pas de la délicatesse, hein, ne crois pas. C'est si tu meurs, je meurs. Donc... À la base, c'est un heal aussi, donc... Je te taquine, pas le 4. T'inquiète, hein. Est-ce que je suis inquiet? Surtout faire un... humanoïde. Ça y est, voilà. L'humanoïde, elle est faite. Ah, tu veux pas que je claque mon ulti de vampire? Je suis curieux. Ah, tu peux. Waouh! Et là, tu tapes. Après, tu as... Sur l'ulti, tu as une version où tu... Où tu as une aura, une espèce d'aura avec ouais. Des chauves-souris qui volent autour de toi. Ouais. Et ces chauves-souris-là font des dégâts. Ah. Oh, bien. Donc ça te fait une attaque de zone assez puissante, d'ailleurs. Hmm. Ok. Bon à savoir. Salut Siegfried, comment vas-tu? Non, on va. Merci Marc. Faire... l'antre. Elle est un poil au sud. Non, on va tenter. Non, c'est pas ça que je peux faire. C'est pas du tout ça. Hein. Ah bon? Non, c'est pas du tout ça. On va aller faire... Oui. On aurait dû le faire tout à l'heure. Mais... L'éclat? Ouais. Oh, c'est juste une petite montée, je pense. Pas ah, sûr. Non, mais j'ai rien dit. Ok, je viens de voir la carte. Non, en fait, le relief est... Non, c'est bon. Ouais, on peut faire le tour. Pauvre loup. Éclaté. Ah les loups, avec l'autre perso, je les one shot. Ah, j'essaie de trouver le mot, merde, il m'a échappé. Tu évaporises, voilà. C'est ça. Oui, une compétence obtenue. Allez, on va aller chercher l'antre. Yep. Et donc tu disais, c'est en faisant les antres ici qu'on peut le looter, le set. Ouais, en farfouillant partout, surtout. Ah oui, donc en fait, c'est un peu vogue le pif. Ouais, ouais. Oh, mais tu as plus de chances en faisant les antres, parce que tu as des coffres. Il y a plus de coffres dans les antres. En fait, c'est plus facile de trouver des coffres dans les antres que qu'à l'extérieur, ouais. Oh bah super, on va même pouvoir s'enchaîner une... comment ça s'appelle? Un éclat. Dedans? Ouais. C'est ouais, bien. Ouais. À moins que je dise une connerie, mais... Non, il y a un éclat. Je crois qu'il y a... Ah si, j'allais dire, je crois qu'il n'y a pas de 4, mais il y a une 4. À l'intérieur, tu veux dire? Ouais. Ah, parce que comme je suis rentré et que... au moment où tu prononces ça, je me suis dit, est-ce qu'il a... il s'est arrêté, tu vois? Ok. La quête. Ouais. Examiner le corps, blablabla, prendre la fiche, c'est bon. Parti. Ouais. Bon, y a un joueur qui est parti devant. Oui, on sait ce qui va se passer. C'est un peu relou. Oui, on entend se friter d'ailleurs. Ouais. Ah, il est là. Ma gratitude éternelle. Ouais, il a failli se faire éclater par des... Moi, j'ai un peu soigné. Ah, c'est ça que ressent Hiller? De la pitié? Ouais. C'est ça. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, Falcat. C'est limite écœurant. Mais le mec, il speedrun pour essayer de faire d'aller le... au plus vite. Ouais. Mais il va se faire pouler. Mais il se fait pouler et il se fait démonter la gueule. Les joueurs Tezo, il y en a certains, ils sont pas très fins. Fin?
Non, non, laisse tomber. Non, 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 cours pas après, cours pas après. Elle va reprendre sa place, ouais. Je pense qu'il a dû courir comme un benet et il a... Ah oui. Ah oui, il a couru comme un débile. Hein. Tout ça pour l'éclat. Ah bah c'est mon ça. Pote. C'était pas une course, hein. On peut tous la voir, l'éclat. C'est ça. C'est CP1320, il se fait démonter dans un... Il y a un petit peu, peut-être un petit problème d'optique quand même. Hein. Ouais, je pense, ouais. Ok. Oh. Oh bah elle a été toastée, la petite. C'est ça. Vive le bâton de feu. Tu sais, c'est quand même pratique, parce que ça incinère, c'est direct, c'est propre. C'est ça. Ouais. Accompli la mine de Mobar. Fort bien. Par contre, ça m'inquiète. Ouais. Le trameur, tu n'en as pas looté, j'en ai pas looté. Et bonsoir, Sivwill, comment vas-tu? Salut. Alors que moi, je n'en ai pas looté, à la limite, j'aurais pu me dire est-ce que c'est pas lié peut-être à un niveau. Mais bon, ça me non, paraît c'est jamais, loufoque. C'est jamais lié à un niveau. T'es sûr que c'est un banc. Enfin, t'es sûr que c'est au bois de. Ah oui, oui, oui. Ouais. Oh là là, mais putain, arrête de courir. Non, pas toi, Falcat. Hein. Je... Oh ouais, le mec, ouais. Ouais, ça m'énerve. Non, mais on va pas t'attaquer, tu vois. T'es juste en train de courir comme un débile. On dirait un poulet sans tête. Ok. Attends, je vérifie un truc. Ah oui, il faut rendre la quête, ouais. Non, non, c'est... Non, non, c'est cette deux zones. Hein. Bah écoute, on va tourner, hein. Qu'est-ce que ah non, je suis con. Pourquoi? C'est mon Lambator. Putain, je suis trop con. Mais c'est pas grave. Eh là là là, sac à dos, sac à dos, sac à dos. Ouais. Bah écoute, viens, tu sais quoi, on rend la quête, on prend le livre et on fout le camp de la région. Ouais. Dire, ouais, c'est pas, okay. Pas mort d'homme, hein, c'est pas grave. Hein. Oh là là. Bah, c'est mon c'est vrai que ça me paraissait un peu louche parce que ah, bon. Oui. T'es à un moment donné, tu tombes pas dessus, bon. Ah, bon. On est dans le bon pacte, enfin on est dans la bonne alliance, mais pas... Mais pas au bon endroit. Si vous n'êtes pas c'est envoyé, ça. Sinistre trophée. Super. Alors, on a un livre qui est juste là. Je vais le choper. Tu l'as ou pas? Ouais, je l'ai. Ok. Ok, c'est bon. T'es où? Mais... Ah, t'es là. Au rond-point. Au rond-point. C'est un rond-point, hein. Tu veux dire que dans le pacte, ils ont copié la France? C'est ça, ils ont des ronds-points. Oh mon dieu. Quelle horreur. Là, ici, il y a de très bons marchands. Ah ouais? De guides, ouais. Ouais, ouais. Est-ce qu'on a au moins un oratoire de débloquer là-bas? Non. Madame Baltor, c'est ça? Ah, négatoire, ouais. J'en ai aucun. Attends. Je vais changer de perso. Ouais, je t'attends. Quitte à faire, on va faire le donjon public. Histoire de bourrer un peu? Ouais, il y a plus de boss. Caisse d'assaut de Cyrodiil. C'est vrai que je l'ai gardé.
Ah, tu vas pouvoir l'ouvrir et... Tu veux que je l'ouvre et maintenant? Non, surtout pas. Parce que je sais ce qu'il y a dedans, hein, mais ça va bouffer tout mon inventaire. Hein. C'est ça. Bon, les poisons mortels à couronne, c'est bon, j'en ai ras le cul. Salut, et bonsoir, Héloïse, comment vas-tu? Direction Moran Bator. Ça va t'intéresser, Héloïse. Parce que c'est un set intéressant aussi pour les... Pour les DPS PvE. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est bien celui-là, il y a... Une entrée et il y a le dojo juste à côté. Tu me dis hein, quand je peux me TP. Hein. Ouais. Oui, ça va, on va bien. Ouais, le trameur. Très important, le trameur. C'est bon, tu peux te TP. Yep. Zerkout. En gros, le trameur... Donc, Il peut être bien pour mon elfette noire. Parce que moi je suis déjà équipé, mais je trouve qu'elle fait déjà bien le café quoi. Je suis à 61 ou un peu plus de 61% de dégâts critiques. Non, j'ai confondu, putain. Non, c'est pour le PVP, le trameur. Ah. Je dis de la merde. Oui, parce que j'étais en train de me dire, mais de base, tu veux me stuffer comme ça, c'est pour le PVP. Donc il ferait les deux, PVP, PVE. Mais bon, après j'ai pas relevé parce que j'ai pas. Tu vois, j'ai pas. Après, il peut, mais la pénétration elle est en trop. T'es où? Ah ça y est, t'es en train de changer? Ouais, c'est bon. Ouais. Ok, je t'attends. Non, l'avion s'est écrasé. On est le qui... Il est... C'est moi, Eloen. C'est bon de vous revoir. Ce petit bonhomme, c'est Gavark. Merci, Pat. Merci, Donovan. Merci, vous êtes adorable. Merci beaucoup. Ça s'est bien passé de l'autre côté? Ça va lui faire bizarre le temps à son arrivée. Je pense qu'il va se peler, ouais. Mais je pense qu'il est content aussi de rentrer. Il c'est bon, t'as TP? TP où? Ben sur moi. Mais bien sûr, je suis sur toi depuis un petit moment. Je t'ai dit, tu te déco et je t'attends. Oh. T'es fatigué, ma poule. Oui. Je sais plus ce que c'est le 7. Ah mais je l'ai sur l'autre perso. De quoi, le trameur? Non, celui qui est intéressant pour les DPS et il magie. Oui, c'était calme avec une tentative de cours d'histoire du Japon par Fred. Ah bah putain, j'ai raté ça. Oui, il me racontait l'autre jour comment c'est compliqué en ce moment chez lui en Guadeloupe. Ouais, en ce moment c'est tendu. C'est tendu. Enfin, c'est tendu. Disons qu'il est pas. Voilà. Il est pas serein, mais ce qui est normal, hein. Je veux dire. Ça tombe sous le sens, hein. Après, il va y avoir un référendum chez lui. Oui. Tu disais, j'espère? Je disais, il va y avoir un référendum chez eux. Oui. Oui. Vu que eux, ils sont assez éloignés de la métropole, contrairement à la Corse. Ce qu'a dit un ministre. Bon, Mola Baltor, c'est encore des elfes du bois. Voilà. Là, on va faire la version courte. Mmh. C'est bon, je suis là. Ok. Tu veux qu'on laisse tomber tout ce qui est livre, éclat, etc. et on fonce vers le donjon public ou... Sauf si on tombe à côté. Là, tu vois, par exemple, l'œil, on est à côté. Oui, j'en conviens. Oui, vraiment, quand c'est du proximité, quoi.
Ouais. Il y a un livre, le journal de Tozor. D'accord. Ok. Là. Oh, je change totalement de sujet, mais je viens d'y penser. J'ai enfin la fibre. Ah, ben voilà. Ça, c'est une bonne chose. Ah, ça y est, bâton de rétablissement à 20. Putain, on aura bourré, hein. Ouais, ça va vite, hein. Après, plus tu le fais tard, plus tu prends vite. Ah ouais ? Parce que tu as, oui, tu as plus d'XP. Ah bah oui. Tu montes de level, plus t'as d'XP. Plus ça bourre, ouais. Oh putain, il y a du monde ici. Attends, je me suis fait. C'est pas grave. La fibre, c'est bien pour le transit. Freeman, est-ce que tu te rends compte le nombre de fois où on fait cette blague ? C'est ça. Alors, normalement, il y a un livre juste sur la crête. Ah, attends. Ils font chier avec leur piège à la con. Attends, j'ai un piège dans les padou, dans les patounes. Voilà. Là. Ouais. Putain, j'avais pas soin. Bravo. Bravo. Moi, je m'assois sur la connaissance. GG. Petit clin d'œil à Princesse. Qui nous casse les noix à chaque fois que c'est bouquin. C'est ça. Oh putain. Faut même faire l'éléphant. Bah. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il t'a fait le pauvre ? Bah parce qu'il donne de l'XP. Oui, d'accord, je confirme. 21 en bâton. Ah, descendant du sang peut augmenter. Parfait. Sympa. C'est gratuit. Celle-là aussi, elle est bien de 4. C'est que tu l'as fait. Ouais. Les orques deviennent tes alliés. Oh. Ouais, ils t'attaquent plus. C'est une perte prodigieuse de points d'expérience, tout ça. Ouais. Alors, est-ce qu'on va se faire croquer ? Te faire croquer ? Pourquoi tu dis ça ? Que quand tu vas trop loin dans l'eau, il y a des poissons. Ah ouais ? Et voilà. Bon, au moins on aura looté du pack vert. Ah, le pack vert qui sert à rien, on l'a, hein. Ah oui, ça, putain. On a trouvé toute une chien. S'il y en a qui ont des commandes de forge pour du pack vert, n'hésitez pas à me commander, hein. Putain. Remarque, on. Ah oh, putain, ouais, je me souviens dessus. Il est casse-couille ? Oh non, c'est XP Land. XP Land ? Ah, parce que c'est gavé de mobs, je suppose. Ah ouais. Ah, ok. Tu veux que je change de bâton pour le coup ou je reste. Ah non, non, je reste sur le même. Combattez les deux fronts et je frapperai depuis les ombres. Sur le côté ! Oh, c'était bizarre le son. Sur le côté avec un. Un petit peu, tu sais, étouffé. Ah, ouais. C'était un peu bizarre, Weed. Alors là, il faut réfléchir. Pourquoi ? Ouais. Parce que sinon tu tournes en rond et
Ah oui, d'accord. Si c'est le même style que Havreglas, merci. Je me suis bien fait chier. Ah ouais, mais là, celui-là... Celui-là, j'avoue, j'ai fait un peu de sel. Allez, là, premier boss. Oui, je te le laisse. Je te soigne, c'est ça? Ouais, après, normalement, il devrait pas non plus... Voilà. Alors, une pierre d'âme. C'est cool. Et... Ah non, gant du trameur, ça y est. Ah, bouge voilà. Pas, bouge pas, bouge pas. Alors celui-là, je le dis. Hein. Putain. C'est bien, j'ai au moins le gant du trameur. C'est ça. Bon, après, ça s'achète, un hein, trameur. Pourquoi acheter alors qu'on peut looter? Oui. Par là? Ouais. Allez, c'est parti. Tu vois, tu as changé de mentalité depuis que tu es riche. Tu achètes maintenant. Ah oui. Alors que moi, tu vois, je continue toujours d'arnaquer et de voler. Ah non, mais je vole aussi, hein. Surprise. Oui, tu ne t'éloignes pas trop de tes origines. Non. Attends, t'as aggro pas trop. Mais je l'aggro pas, je le tue. Bah ben oui, mais je ne l'aggro pas, non, pas. D'accord. Ouais, tu peux. Parce que le boss, il a été fait. C'est une sale affaire. Le boss a été fait? Ouais, tu as un boss sur le côté normalement. Par le flanc, maintenant. Mais au bâton de soin, tu fais zéro dégâts quand même. Hein. Tu en fais très peu. Oui, parce que je vois leur point de vie, mais comment dire? Tu sens que je les chatouille en fait. T'es un politicien, Falcat est devenu riche en volant. Ah non, il a pas volé non, en devenant riche. Tu fais du commerce. Exactement. Et c'est legit. Et beaucoup, 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 beaucoup de farm. Ah attends, il y a un truc là. Ouais, c'est la quête. Ouais. Rencontrer Glanir. Ouais, ben Glanir, il va aller se gratter. Ouais, on va aller le rencontrer, Glanir. Oui, bon. On verra, on n'est pas pressé. Hein. Moi, quelqu'un qui s'appelle Glanir, je lui fais pas des masses confiance, Falcat. Hein. Je te le dis de suite. Mais... Oui, oui, non, mais oui, certes. Ah, il est là, monsieur. Bonjour. Voilà, vas-y, éclate-toi de me tirer, de me cracher dessus. Alors, gant de soie magique, coque d'épaule de salut. C'est quoi ça? C'est un set. Oh. C'est l'autre set du... Bon, bah écoute, ça y est, c'est lié. Il est très bien pour les loups-garous. D'accord. On a un boss à gauche et un boss à droite. Attends. On l'enserre. Oui, oui, bah je suis pas pressé quand je vois ce qu'il y a. Là, le taux de repop est absolument dingue. Ouais. Ouais, c'est là. Ah bon? Ouais, ouais. Ah bah, Glandir. Vous avez l'air de savoir vous débrouiller. Blablabla, ouais. D'après ce document. Allez, super. On fait pas les autres boss? On va les faire. Hein. D'accord. Toi, t'as une idée en tête? Non, j'attends un joueur qui tape. Ah, voilà. Il y avait un livre sur la table Falcat. Ouais. Attends. Du commerce, ouais. Les guildes de commerçants ne sont pas aussi les guildes des voleurs. Je vais pas balancer, hein, mais c'est pâte. Ouais, non, mais tu sais, la bave du crapaud, tout ça, tout ça. Non, la bave de l'argonien. C'est vrai. Ouais, mais là, il y a deux argoniens, alors. Oui, mais dans ton cœur, tu es pas ah, argonien. Ah, mais j'aime bien l'argonien. Oui, j'aime bien l'argonien. Dans ton cœur, tu es quand même un orque. Ah, non, mais j'aime bien l'argonien. Ils ont une belle histoire aussi. Ah, maintenant, tu t'intéresses aux histoires, tu as vraiment changé, tu. Je suis toujours intéressé. Mais il a putain, il me fait chier, il a tué le pilote. Et bonsoir Crystal, merci beaucoup pour le follow. Salut. Et bienvenue à tes viewers, j'espère que tu vas bien.
C'est pas le follow, c'est le raid. Ah oui, pardon. Mais c'est pas grave, hein. Non, non, mais c'est pas grave. Je suis concentré sur ce que je fais. Excusez-moi, mon ça va aller. Et en tout cas, merci beaucoup pour le raid, ma chère Crystal. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Bonjour. Bonsoir. Bienvenue dans le monde merveilleux d'Adibou. Il y a 1000 choses à découvrir. Merci, Pat. Oh. Merci beaucoup. Par les flancs. Tu sais que si tu tapes le premier, tu prends l'aggro. Oui, mais alors ? Tu fais pas de DPS. Je sais, mais toi, ça te permet de les taper. Ouais. Merci. Merci, mon cher Yann. Merci beaucoup et bonsoir, Zebza. Merci beaucoup pour le follow. Merci pour ta confiance. Alors attends, ah, du pognon et c'est tout. Et surtout vainqueur de la clique. Oui, mais. Alors. Alors, il y en a. Là. Il est où le pilote? Ah, ça repop. Ouais. Salut Kiss, bonsoir Yann's Banner, comment vous portez? Bonsoir Loucheux, j'espère que tu vas bien. Depuis 19 mois. Oh oui, mon dieu, Yann, c'est vrai qu'on est monstrueux avec toi. Ah, alors attends, est-ce que je peux changer des compétences? C'est pas trop le lieu, en fait. Ouais, je sais, parce que, ouais, je sais, il y a un gros repop, mais comme on attend le boss... Ouais, effectivement, ça va vite, hein. Ça va super vite. Et bonsoir, Labrel, merci pour le follow. J'adore. Bon, le pilote, ça serait cool que tu repop. Patience. Il y en a deux là en fait dans cette salle. Ouais, je valide, mais... Ou alors il est au-dessus. Ah, il est peut-être au-dessus. Tu crois? Ouais, il est peut-être au-dessus. Les deux, ouais, tu veux dire au-dessus alors? Non, non, le pilote il est là. Il est par terre, il est couché. Il fait dodo. La pilote d'ailleurs. Ouais. On a qu'à se mettre sur le côté et puis on attend patiemment. Ouais. Ouais, bon après on peut démonter tout le monde. Hein. Oui, aussi. C'est une possibilité. Il a une tête d'orque, hein. Ce perso, bien sûr. C'est mon troisième personnage, celui-ci c'est un orque. Qui sera voué à faire du PVP. Jamais vu avant. J'en ai trois, j'ai un main tank. Le deuxième est un DPS vigueur mais uniquement axé vers le PVE. Et celui-ci. Enfin, une elfe noire et celui-ci est un orc. J'avais vu ton tank et ton DPS, voilà. Bah, celui-ci c'est le nouveau. Ah bah voilà, niveau 38, Falcon. Voilà, GG. Ah, ça fait plaisir. Par contre, c'est longué, hein, la réapparition là. Attends, je prends vite fait le point. Boîte d'artisan du meilleur maître, besace de travailleur du cuir. De cuir. Ouais. Ça me paraît bien. C'est bon. Encore? Putain, mais. Oh, c'est infâme! Je préfère ton tank, qu'il est plus sexy. Non, c'est pas pareil, c'est un rouge garde. Normal qu'il est sexy. Faites le tour! Mais c'est un tank, il est pas là pour faire du dégât, il est là pour en prendre plein la gueule. C'est ça. Et le pire, c'est que j'aime ça. Je crois que c'est inquiétant, Falcat. Non, c'est normal. D'aimer son rôle? Ouais.
Moi perso j'aime bien tanker. Honnêtement j'aime bien. T'es en plein milieu de la bataille, je fais pas de dégâts, mais vu que je sauvegarde. Il n'y a pas de sauvegarde, c'est MM. Hmm? Non, c'était une blague, mais bon. Non, j'ai pas entendu, honnêtement. Je disais, il n'y a pas de sauvegarde, c'est MM. C'est moche. Ouais, je sais. Petite fatigue, hein. Heureusement que tu vas boire bientôt 15 jours. Ouais. Que Hippocrate t'entende. Oh, t'inquiète pas, Hippocrite m'entend aussi. Bon. Bon, là, c'est la stratégie pour level up assez rapidement. Exactement, pour le coup. Ah, bah là. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond et tu fais du bob. C'est ça. Hey, coucou Shani, comment vas-tu? Oh, il doit bien avoir un sac à main comme équipement sur un de ses persos. Et la preuve que Franck, il a aucun argonien. Oh, Marc, le tir! Ah non, mais je suis d'accord. Ah bah la voilà la petite! Bah putain, elle nous aura bien fait caguer, hein. Allez, super. Oh putain, ça y est, j'ai looté l'épaulette. Oh, l'épaulette du trameur, putain, oui. Ah, et tu peux choper du foudropter qui est pas mal aussi pour les tanks. Tu veux que je cherche un nouveau set? Non, non, je dis juste qu'il est bien pour les nouveaux tanks. Pour les tanks, le foudropter. Plus il est tank off, mais. Ça fait aussi le taf. Faut qu'on parte à l'étage. Non, c'est en bas. En bas pour le boss? Ah oui. Ah bah allez, let's go. Par contre, le taux de repop, waouh. Ah oui, oui, ça descend. Là, on est vraiment sur quelque chose de littéralement affreux. Hein. Là, je pense que tu fais ce donjon là pendant 2-3 heures. Oh, merde, j'ai oublié de mettre le pare-chausse. Une seconde. Ah. Oh, j'ai un tel merdier là-dedans, putain. On s'y retrouve plus, hein. Il est où ce putain de parchemin? Moi je vais faire un truc en attendant. Attends. Hein. Ouais, t'inquiète pas, j'avais pas. Enfin, si, j'allais taper, mais voilà. Ça va, merci beaucoup, je suis heureuse d'être avec vous 15 jours sans internet en attendant d'avoir la fibre, ce fut très long. Bah, je te crois. Valcat? Ouais, faut pas taper. Mais trop tard, c'est eux qui m'ont attaqué, hein. Ah ouais, tu te débrouilles. D'accord, ouais, oh, ouais, bah, moi ça va, hein. Ah. Non, monsieur, merci. Ah, c'est un boss. Bah, tu vois, c'est pas fait exprès. C'est un boss. Tu dis, faut pas les aggro. Mais c'est lui qui. Ah, Foudropter. C'est pas de celui-ci dont tu parlais? Ouais, je te laisse regarder ce que c'est. Alors, ajoute 1366 armure sur le deuxième, troisième objet. Ajoute 118 de dégâts et de sorts. Lorsque vous subissez des dégâts physiques, vous infligez. Ah, mais putain, c'est pas mal. Mais plus pour un tank off alors. Ouais. Ouais. Mais il est bien. Honnêtement, il est chouette. Je suppose que c'est le même principe. Pour le looter, faut faire tout le tour, quoi. De quoi? Ben, pour le choper. Je préfère les anciens Elder Scrolls. Bonne nuit à tous. Ça marche, modèle de luxe. Des gros bisous. Bonne nuit. J'ai bien aller sur ces A. Oh. C'est une mission impériale. C'était délicieux. Ah bah le voilà. Il ne faudra pas que les Tarn pensent que vous êtes grossier. Tout le monde avec prend un couteau en pleine tête. En avant. Il y a 4. Oui. Ah. Oui, oui, il y avait une deuxième surprise. Ah, enfin, je voulais pas te déranger, hein. C'est... Alors, je sais pas ce que j'ai looté par contre. Oui, ça clôt. Ouais. Ça clôt. On fait le tour de la boutique quand même.
Ouais. Ah, tu as vu qu'il y avait des docs sur le bureau? Et y a, là, il y a le, l'éclat, si tu l'as pas. Non, à pas. Hop là. Et on va... Comme d'habitude. Associer. Oh. Ah, voilà, elle s'éteint. Il y a eu un petit décalage de quelques secondes, c'était... bizarre. Oh, un autre sac lourd, cool. Dernière de cuir. Putain, le merdier qu'on loot à chaque fois, c'est infamant. Infamant. Attends, je regarde ce que j'ai allié. Bah non, c'est bon. La bande de Zenithar. Non, c'est bon. Ok. Ouais. Par contre, je te mens pas qu'une fois qu'on a fini le donjon, faut vraiment qu'on voit avec ton marchand là. Ouais, ouais, non, mais on va. Enfin, non, que pas ton marchand. Beau travail. Bombe fumigène. Je vais pouvoir convaincre mes supérieurs que les. Voilà. Bombe fumigène. Et là, normalement, il reste. Ah, quoi qu'il reste deux. Ah, mais il y a une nouvelle quête. Où ça? Là. Ah. Bonjour, monsieur. Vous là, par ici. J'ai prié les 8. Mon. Oui. Coffre. Yep, je prends. Zerkout. C'est bon. Ah oui, il faut faire. Mais non. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut libérer les des prisonniers apparemment. Ouais. Alors le côté non, emmerdant, c'est que c'est, ouais, il faudrait que tu me tu me donnes ton marchand. Non mais mets en banque. Hein. Ah ouais, mais je vais pas mettre du... Ah si si, mais en banque. Mettre en banque, quelle honte. Là, 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 et tu vas là. Salutations. Attends. Bah je vais mettre... Tiens, je vais mettre les anneaux. Ouais, mais je peux pas, et en banque je suis déjà plein. Bah oui, mais j'ai looté aussi des trucs qui m'intéressaient. Achète de l'espace. Mmh. Achète de l'espace. Comment puis-je vous aider? Ok. Alors, attends, je vais d'abord me débarrasser des bijoux. Bah écoute, je bourre. Hein. Ouais, ouais. J'achète deux espaces et normalement ça devrait te suffire. Attends, bouge pas, je finis. Discutons un peu ensemble. 50 000. Mais Falcat? Oui. Mais j'ai qu'à changer mon set. Je suis niveau 37. Ah oui, oui, oui. Bah oui, oui, mais on est con. Alors attends, c'était lequel? Boudrier de Giuliano, niveau 36, on est d'accord? Ouais, ouais, c'est tous les niveaux 36. Ensuite... Oui, non, mais c'est pas ça, c'est que j'en ai genre beaucoup, tu vois, dans mon merdier. Ouais, mais faut que tu le remettes en banque, celui que tu as. Ouais, pour le décraft. Ouais. Attends, il y avait quoi? Le baudrier de Giuliano, chaussures de Giuliano, ouais... Coque d'épaule de Giuliano, c'est ça. Attends, c'est cuirasse de la décharge? Non. Voilà, cuirasse de la fureur de l'aigle rouge, 36. On est d'accord. Et... Putain, c'est fou le merdier contre un mal quand même. C'est toi qui fais ce bruit? Non, c'est le magicien derrière, en dessous. D'accord. Garde de Giulianos. Oh, là, 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 là. Et le homme de la fureur de l'aigle rouge.
Il y a un boss en bas, il vient de le clean. Tant pis, c'est pas grave. C'est vraiment parce que j'en ai genre beaucoup, tu vois. Et tu m'avais fait le bâton qui allait avec, je crois, non? Oui, oui, les deux. Ouais. C'était bâton de rétablissement de l'étreinte du crépuscule, nous sommes d'accord. Et tu m'avais fait le bâton infernal de l'étreinte du crépuscule. Ok. Allez, on vérifie que tout est ok. Un bâton de l'étreinte du crépuscule niveau 36, on est d'accord. Putain, je me déteste. Niveau 36. Ensuite, il faut que je mette le bâton de rétablissement. Oui. Voilà. Bonne nuit à Skian. Bonne nuit Yann, des gros bisous. Enfin, bonne fin de journée plutôt. Bonne fin de journée à toi mon poulet. Et j'ai des doutes sur les cookies d'Aena. Du coup, j'ai enfourné des croque-monsieur. Mais non, Donovan s'en sort très très bien. Ah merde, j'ai oublié les anneaux. Oh putain. Puis-je vous rendre ces... Voilà, niveau 36. C'est bon, c'est celui-là. Il me faut le collier. Et c'était le collier de l'étreinte du crépuscule, niveau 36. Ok. Range pas ton banquier encore. Hein. Comme ça, je peux virer ce que j'ai en plus, tu vois ce que je veux dire? Ouh. Alors, je vérifie que c'est bien du 36. Le collier, c'est good. Et ensuite, on passe à l'armure. Est-ce que j'ai bien 5 pièces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il me manque une pièce. Ah, attends, je les enfile toutes, d'accord? Ouais. Et je regarde laquelle il me manque. Là déjà, ça sera beaucoup mieux, je pense. Et on aura une visibilité 36. C'est les brassards qu'il me faut. Allez, hop. Bien, bonjour. Banque. Brassard de Juliano. Voilà, et après j'ai plus qu'à tout basculer et on est good. On t'a dit bonne nuit, Skian, alors tu dors. Il est que 16h. Salut, on s'en fout que ce soit 16h. Tu dors, point. Les enfants ils dorment, Master C. Alors attends. Ok. C'est bon, j'ai vidé tout ce que j'ai pu. Je suis à 68 sur 110. Oui, ça suffit. Ok, bascule. Allez. C'est mieux. Oh. Oh. Et là, comment on va faire pour descendre? Hein? Comment on va faire? Non, non. Non mais... Monsieur. Hop. Voilà. Sur la cabane. Oui, c'est fait. Non. Et là, il y a un boss. Là. Voilà. Attends, ça m'a viré mes points. Ok. T'es où? Ici, normalement, il y a un boss. Ouais. Voilà. Ok. Voilà. Il est là. D'accord. Ouais. Sac lourd. Ah non, c'est pas un sac lourd, pardon. Un orc qui lance des sorts, c'est louche. Ça sait lire un orc? C'est une race extrêmement raffinée, les orcs. Voilà. Par les flancs. Enfin, sur tes os. C'est vrai que en règle générale. Sur un rameur, non. Mais sur Donjons et Dragons, bon, c'est pas ouf non plus. Hein. Raffiner un orc? Oui, oui. Sur tes os, ils sont raffinés. Ouais. Je sais, moi aussi. Hein. Ça m'a fait tout bizarre, mais voilà. Tu veux qu'on fasse Mumuse avec eux? Ah oui. On lance.
tant qu'à faire. Oui, autant faire les points d'expérience. C'est ça. Ah, je crois qu'il est revenu, non? C'est que des mobs. C'est que des mobs. Déception. Non, non, normalement il doit pas aller de là. Ah bah voilà, il suffisait de demander. On recule pas. Mais c'est pas ça, c'est que je me suis bourré en fait d'emplacement pour les bâtons. Rameur, ramasse. Salut. Désolé. Désolé. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ah bah voilà, maintenant je comprends pourquoi ça couillait. Mieux. Ah, celui-là il est fait. Ezo a donc un background d'obé s'il considère les arbres comme raffinés. Non, c'est leur façon de percevoir l'univers, c'est tout. C'est différent. Du moins la série des Elder Scrolls. Ah, c'est vrai. C'est le boss de groupe. Ah, je passe sur la boîte onde destruction peut-être. Ah, attends. Il faut buter l'astucieux. Chacune de ces bêtes vaut plus d'or que vous n'en gagnerez en toute une vie. Fichez de camp. Voilà, et là... Voilà. Ça, c'est fait. Ah, spalière du... Merde, comment ça s'appelle ? Du foudroptère. Ah, dommage. Bon, après j'ai eu une piste d'antiquité, donc bon, je vais pas faire la gueule. Oui. Ah, document ici. Ah ouais, bien vu. Non mais c'est comme dire que Jason Statham est un mec raffiné, quoi. Ouais, mais il y en a qui le croiront. Hein. Eh, j'y peux rien, moi. C'est pas moi qui écris le lore, hein. Eh, c'est un fait, hein. Quand tu découvres le lore de tes os, oui. C'est sûr, oui. Que quand tu as été nourri, alors, déjà de base avec un autre lore, c'est vrai que, voilà. Faut prendre le train en marche, quoi. C'est un peu compliqué. Mais le truc, c'est que... Ah, vite. Bon, on l'a fait, mais ça coûte rien de le refaire. Ouais, j'ai pris des points d'expérience et un peu de pognon, c'est tout. Il y a un secours derrière. Là, juste là. C'est bon, je l'ai vu. Là, Tolkien, la référence de la fantasy pour enfants. Alors tu as des millions de grands enfants, je pense. Ça, Tolkien, je sais pas. J'aimerais que vous m'aidiez. Ah, attends, hop, voilà. On a des tâches. Voilà. Merci. Peras est donc. On aurait pu la laisser ici. Hein. Nous avions dit à cet idiot de ne pas nous emmener en territoire de la main pourpre. Normalement, il y en a une deuxième pas loin. Là. Ah. Quoi? Joueur. Allez sur ces plans. Non. Bah écoute. Allons-y. Dans Warhammer 40 000, les orques pensent que ce qui est rouge va plus vite, donc ça va plus vite, et qu'un bout de ferraille avec une mitraillette, donc c'est qu'une mitraillette. Et il y a des orques de toutes sortes. Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est justement la capacité de reprendre des espèces avec lesquelles on s'est fait des images, quoi. Et de les remodifier, c'est ça aussi. C'est rigolo, avec toute une histoire là, en arrière-plan.
Est-ce que tout le monde est mort? Ah, un coffre. Ouais. Oh putain. Ce coffre de la mort. Voilà, c'est bon. Par contre, je ne crois pas avoir looté un truc de fou. Je vais vérifier. Une épée du salut. Cool. J'ai tiré l'elfe. Oui, j'ai libéré celle qui a mauvais goût culinaire. C'est ça. Celle qui peut te le bouffer. On va en faire un petit tour. On va. Histoire de kiné. Rebuter. Ouais, il y a un joli parc. Tout le monde est mort. Ça fait vraiment plaisir, tu sais. Ah oui, tout au cœur. Hein. Je crois que ce sont des boss mères, mais je suis pas sûr. D'une pierre deux coups. C'est ça. Bonjour. Vous me donnerez. Hein? Et bah voilà. Je n'aurais jamais dû laisser Perra se charger de la navigation. Selon. Ouais, c'est bon. Je pense qu'on en est bon. Par contre, le trameur, on se sera pas gavé, hein. Oh, mais... Plus tu lootes les autres 7, plus t'as de chances de tomber sur le trameur. Ah bah automatiquement, oui. Maintenant qu'ils ont changé les données pour ça. Ah. Automatiquement. Ça serait dommage de pas le faire. C'est des points d'expérience perdus si on le fait pas. Voilà, c'est ça. Et on ressort. Ouais, mais les Warhammer 40 000 a une particularité que les objets obtiennent l'utilité qu'ils pensent avoir grâce à leur dieu. Mais dans le lore de tes os, tous les... qui est elfe, ou elfe, elfe des bois, orc, voire même les Khajiits sont issus de la même race, donc... Vous avez pour ça qu'il sont raffinés. Surveillant, comptez-vous toujours vous rendre à Port-Véline ? Ah, t'as un livre ici, ma poule. Tout à fait. Dans la barcasse. Vous pouvez m'accompagner si vous le désirez. Je l'ai. Ouais. Il en va de même pour vous tous. Vous avez de la voilà. Chance qu'on vous ait sauvé. Vous pouvez donc, me croire. Allez savoir. On est d'accord que c'est un blanc, hein, maintenant. La clémence. Oui. C'est pas ce qu'on croise le plus souvent dans cette guerre. Voilà. Je t'avoue que ça m'arrange, hein. Parce que je suis pas loin du niveau 39. Ouais, mais on va faire à l'entrée, on va arrêter là. Ouais. On va faire des crafts et... Oui. Ouais. Parce que là, y a... c'est pas que j'ai du merdier, mais genre beaucoup, tu vois. Même ah trop. Oui. Ah oui, mais au moins ça fait prendre des levels. Oui. Ah, attends. Ouais. Ça, c'est gratuit. Si c'est gratuit, on prend, hein. Ce sera bien mis pour la guilde des guerriers. Ah oui. Et les elfes des bois sont considérés comme des sauvages un peu stupides dans Baldur's Gate. Non, dans le background d'Elder Scrolls. Mais bon, je trouve ça un peu daubé. Non, c'est pas stupide. C'est juste que le pacte vert les rend... Enfin, ils aiment bien... Ils aiment pas les morts. Ils préfèrent manger. C'est un peu ce que pense Lavoisier, tu vois. Rien ne se perd, rien ne se crée, voilà. Tout se transforme. On est bien, là. Ah, les Rakada, il y a. Ici. De quoi? Des Rakada. J'aime pas les Frestagada. Je suis pas très bonbon. Les Rakada, c'est... c'est ceux qui viennent... C'est un peu compliqué, mais en gros, c'est ceux qui viennent de l'autre continent. D'accord. Yes! Voilà, le fameux niveau 39. Merci, monsieur, dame. Ça fait plaisir. Putain, ce serait... Ouf. What? Ah, je crois que Kiss FC ne sait pas ce que font les elfes des bois. Ah. Aurais-tu l'amabilité de lui expliquer qu'on rigole? Alors, dans le lore de Tezo, les elfes des bois sont devenus des elfes des bois parce qu'ils ont passé un pacte
avec la nature. Et dans la nature, il ne peut pas y avoir de mort. Enfin, les corps ne doivent pas pourrir. Donc, en fait, quand il tue un mec dans une guerre, eh ben, il faut qu'il bouffe. Voilà. Et comme ils peuvent pas faire de feu et utiliser tout ce qui est végétaux, etc., ben, ils le bouffent cru. C'est pas le niveau 69, celui-là est plus exquis. Oh, moi je préfère 71, mais après chacun ses goûts. Le bouclier. Ouais, j'ai vu. Bon, je pense pas qu'on la fasse aujourd'hui, celle-là. Non, mais on peut la garder sous le coude. Ça doit être dans une ville et... Ouais. Perdre le temps d'aller chercher le proprio, bon. Écoute, il avait qu'à éviter de le perdre son bouclier. Voilà. Les elfes des bois, c'est ça. Bon appétit, bien sûr. Tu prends pas l'éclat, ma poule ? Je l'ai. Ah. Je les ai, ce... Ceux de ce secteur ? Ouais. Imagine, à chaque fois que tu tues un mec dans tes os, ton personnage doit le manger. Ton perso finit obèse et en plus, ça va te prendre un temps monstrueux d'avancer. Ah, c'est pour ça qu'il existe des boîtes Tupperware. Alors, dans le pacte vert... Il existe des boîtes Tupperware qui sont recyclables. quand tu es un elfe... Tu es un elfe des bois et tu fais la guerre et tu tues un mec... Eh ben, tu peux inviter ta famille à manger, à t'aider à manger les corps des gens que tu as tués. Remarque, c'est bien comme principe, ça permet de réunir la famille. C'est ça. Et un livre. Ouais, j'ai vu, bien vu. Hop là. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ? Il doit y avoir le boss ici. C'est lui ? Ouais. Il a l'air sympa. Ouais. Ah. Ceinture de salut, putain de... Tu sais, c'est... Comment dire ? Exaspérant. Salut, Mash Guild, comment vas-tu ? Ou Mash Guild, je ne sais pas comment tu veux le prononcer. Mais on va dire Mash. Ce sera plus simple. Mais ça m'évite de faire des boulettes. Parce que je fais souvent des boulettes. Yes. Ok. Oh. C'était pas un peu fourbe de les attaquer par le haut ? Ah non. Non, non. Aucune forme de pitié. Ah non, il le mérite. Hein. Clairement. Et tout le monde des cousins-cousines chez les elfes des bois aussi, non ? Après, non. Après, la sexualité de tes os est très particulière aussi. C'est-à-dire que toutes les races sont compatibles, même les humains. Donc, niveau consanguinité, il n'y en a pas trop. C'est pareil dans Original Sin, et en plus, consommer te permet de connaître les pensées du cadavre. Ouais, là je pense pas. L'elfe des bois. Oui, t'inquiète pas, Ekis, on avait compris là. On avait compris où tu voulais revenir. Zerkout.
Ah ouais, non, mais trouver le bouclier, enfin le propriétaire du bouclier. Pas que j'ai une grosse flemme intersidérale. Mais attends, il est où? Bah, une seconde, je suis en train de regarder. C'est pas ici? Un nordique dans le besoin. D'accord. Montrer sur la carte. Ah oui, 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 il est à l'autre bout. Ah oui, non, mais il faut aller. Ouais. À Bandari. Ouais, ouais, non, j'ai la flemme. Hein. Alors, Bandari, c'est des marchands. Tu veux qu'on y fasse un tour? Non, non. Ah. On est bien là, Tintin. On lit. J'ai déjà associé. Hein. Ah, j'associe 2-3 trucs. Ah non, mais vas-y, prends ton temps, prends ton temps. On n'est pas aux pièces. J'ai quand même regardé ce que j'ai looté du trameur, histoire que j'attrape une grosse cagade. Mais tu vas dans la collection, ouais. Oui, oui, j'y suis. Ben, on a 2 pièces supplémentaires. Ce qui nous amène à 4 pièces. Waouh. Ouais, on s'est cassé les dents. Hein. Par contre, maintenant qu'on en parle, Falcat, on a fait vraiment le carton plein sur le pacte vert, tu vois. J'en avais aucune. Ah oui. Là, tu vois. Là, on s'est rincé. Ah là, c'était là, c'est festival, hein, je te le dis. Eh ben, mission accomplie, on peut dire. Je vais dire à peu près. On peut dire mission accomplie. Au moins, avec ton orque, tu risques pas de couler si tu vas dans l'eau ou encore pas besoin d'armes. Les pieds qu'il a. Ah oui, non, mais. Ah, j'ai cru que tu me parlais de l'armure, d'accord. Tu veux qu'on retourne à Vandenfeld? Ouais. Attends, t'es si canne que ça qu'on... D'accord, tu te TP direct là-bas? Ah oui, oui. Non, je suis pas à 131 pièces d'or. Tu sais que je vais mettre 3 siècles pour décrafter tout ce que j'ai en banque? Mais non, ça va vite. Mais non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu rigoles, mais par exemple, Falcat joue un Argonien. Quand tu le vois nager, c'est comment ça s'appelle les bateaux de vitesse, tu sais. C'est un sacré bonus. Tu me dis hein, quand tu y es. J'y suis. Oh, ok. Bonsoir, j'ai 40 piges. Comment vas-tu? Il a une drôle de tête, ton perso. Oui, il a l'air chafou. Ouais, non, mais il a l'air chafouin. Hein. Il a l'air chafouin. Hein. Bah oui, mais j'ai pris entrée, plat et tu m'as interdit le dessert. Forcément que je fais la gueule. C'est automatique. Tu t'attendais à quoi? Non, Franck, arrête de manger. Franck, tu vas éclater, arrête de manger. Bon, bah voilà. Bah à un moment donné, je fais la gueule. Ouais, mais tu as mangé que des ennemis, au final. Ah. Je suis ravi. Bah oui. Ils étaient en rouge. Ah, mais par contre, tu m'as pas donné le niveau au-dessus de 36. Si, je t'ai donné 46. Attends, laisse-moi regarder. Tup, 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 tup. Ah, pardon, autant pour moi, oui, 46. Bah écoute, je vais tout décrafter gentiment. Ben, ce sera un petit 6000 pièces d'or pour moi, la soirée. Oui, mais c'est bien 6000 pièces d'or. Tu vas pas faire la gueule? Ah non, oui, c'est bien. Ah, je suis plein comme une huître, hein. Laisse tomber. C'est affreux d'être plein à ce point-là. Putain. Tu m'étonnes que je vais prendre des levels. Rien que les glyphes, elles prennent une place. Et bim, allez, on attaque maintenant le bois. Avec 2 bâtons, c'est pas ouf. Par contre, la semaine prochaine, faudrait qu'on refasse des donjons pour les clés.
Ouais, c'est prévu. C'est prévu de faire une visite dans le tableau. Je pense que Vanderfeld, on va un petit peu mettre de côté, hein. Ouais, je pense qu'on n'aura pas le temps, en fait. Oh, mais c'est histoire de se débarrasser, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bien au niveau de la couture. Est-ce que j'ai pas des conneries à vendre? Des cambriolages et des meurtres. Je vends, j'achète. Ma grand-mère avait 3 chats. Petit miracle, la soirée m'aura fait prendre aussi quoi donc un CP. Ouh. Moi, mon CP, ma montée d'XP, elle est passée à 355 000. Ouais. 355 000. Ah ouais. Ah, les sacs à main, ma race préférée dans tes os. Moi je préfère les boules de poils, les cagites. Excellent kiss. Je dis excellent kiss. Attends. Ouais, moi je fais ça quand je m'ennuie, je jette des pièces aux pauvres. Franck ? Oui. Où tu es ? Tu veux jeter des pièces ? C'est parce que j'ai claqué presque 90 000 pièces, c'est ça? Tu sais que j'ai d'autres persos où j'ai de l'argent quand même. Enfin, c'est pas oui. Ouf, mais je suis juste derrière toi. Non, mais c'est de l'humour. Ah, dommage. Non, mais moi j'ai pris ça pour argent comptant, tu vois. Voilà, tu vois, c'est raccord. Non, mais on va customiser ton perso pour finir. Lequel? Celui-ci? Ouais. Non, mais je vais juste te montrer l'endroit où c'est. Ah! Ce que tu peux faire. Attends, tu m'accordes 2 minutes encore? Ouais, vas-y. Oh, j'ai failli faire une connerie, hein. Collier rapide exemplaire, ouais. Attends, tu sais quoi, combien j'ai vidé là pour le moment, au niveau de la banque? Ouais, ça serait pas mal que je m'attelle aux autres trucs, hein. Ah, fais-les tout ça. Ouais, mais j'en ai pour un petit moment, hein. C'est pour ça que je te dis, il faut vraiment que je me colle à un moment donné, prendre une journée et puis vraiment vider la banque. Parce que en fait, j'avais stocké surtout pour les rerolls, tu vois, pour qu'ils puissent décraft. Ah ouais. Eh ben oui. C'était un peu le principe, quoi. Nous sommes. Je peux à la limite faire les armes parce que je vais garder juste les deux bâtons, bâton de Julianos. Donc. Après, il te reste. Il te reste qu'un niveau d'armes, enfin un niveau pour tout, hein. Il te reste que le niveau 46. Hein. Oui, mais ne t'inquiète pas, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vider en fait, j'en ai pas pour long. Hein. Bon, honnêtement, j'en ai pas pour long. 26, voilà, 46 c'est celui-ci, c'est le bâton de. Bâton de rétablissement de volonté, négatoire. Voilà, le bâton infernal de Julianos, ça y est, j'ai les deux. Ah. Pourquoi j'ai un 50 ? Ah, mais oui, je sais pourquoi. Tu les avais mis en entraînement. Ouais, ça y est, je m'en souviens. Tu vois, c'est pour ça que je fais attention. Pour éviter de faire des conneries. Parce que les conneries arrivent bien vite. Ouais, mais là, t'as que le 46 à jouer. Oui, non, je garde le 50 que tu m'as fait. Rappelle-toi, on l'avait fait pour le dépannage. Ah mais non, c'était Julianos. Mais merde, je suis con. Mais non, je vais le décraft, je suis con. Ouais, tu t'en fous du... C'était pour... Non, pas du tout, c'était pour dépanner. Rappelle-toi, vous m'aviez basculé temporairement en DPS. Ah oui, c'est vrai. Attends, parce que j'y vais piano pour éviter de faire les conneries habituelles. Siraban... Alors, s'il me manquait une pièce après pour le niveau 46, je t'avoue que ça me ferait mal au ventre. Vraiment.
en plus. Ça se recraft, hein. Ouais, mais c'est chiant, ça m'emmerde. Honnêtement, si on peut se l'éviter, je vais pas te mentir, ça m'arrange, quoi. Bon, les boucliers, je sais que je peux les virer, donc ça, je peux y aller, franchement. Ça, je peux y aller. Brassard de Julianos, je garde. Casque en cuir, on dégage. Ceinture de Julianos, je garde. Ceinture de l'automate, je dégage. Pff, tu te rends compte le merdier que je trimballe? Ah oui, tu m'avais mis en ceinture. Ah, tu m'avais mis le chapeau de l'étreinte du crépuscule. Effectivement, pour faire plus de critiques. Ouais. Ouais, effectivement. Oui, non, mais c'était ça. Niveau 46, je garde. L'étreinte du crépuscule, c'était effectivement pour autre chose. Donc ça dégage. Voilà, ça je garde. Niveau 46. Tout ce qui est niveau 46, on va garder. Le salut du Léviathan. Bonsoir Jean-Paul, comment vas-tu? Tu as pas le niveau, tu récupères pas les ingrédients. Non, c'est pas un souci les ingrédients. Honnêtement, c'est pas un stress. J'ai tellement de pistes de repérage que j'en ai même pas. Voilà, c'est pas un souci pour moi. Ouais, la cuirasse de la fureur de l'aigle rouge, niveau 46, je garde. La ruée du dragon, ça dégage. C'est vrai qu'on s'était bien mis la dernière fois. Hein. C'était quand même bien mis. Hein. Cuirasse Wemmer. De l'orateur lumineux, oui. Ça, je le décraft. L'épaulette du trameur. Et il est vraiment bien le set du trameur, effectivement. Je regarde. Ouais. Le faciès, je le garde. Ah, je suis plein. Allez, je décrafte une dernière fois et après tu me montres. Ouais. On doit être riche à en donner à tout le monde. Il est bête. Inclure. Ah mais non, ça je garde. On est déjà passé par là, ça c'est good. Est-ce que j'aurais pas récupéré des glyphes négatoires? Donc pour modifier le skin, tu m'as dit après qu'on va voir. Ouais. Ouais. Là, il n'y a pas besoin de moyens, il te faut juste du pognon en fait. Oui. Du pognon et... C'est pour ça que les livres, ça peut être important en fait. Ça bourre. Alors, mais du coup, qui est Julianos? Alors, Julianos, un dieu aédrique de la sagesse de la logique, est l'un des divins cyrodiiques, gouvernant les domaines de la littérature, du droit, de l'histoire et de la contradiction. Il est associé à la magie. Il est donc souvent vénéré par les sorciers. Voilà. Fallait pas... Voilà, t'as ta réponse. Alors, et il a un temple dans la baie d'Iléac. Voilà, en gros, c'est un prof. T'as une dent contre les profs? Non. C'est un prof. C'est un prof de magie. C'est Dumbledore. Voilà. En gros, ouais. Tu es un magicien, Falcat. C'est ça. J'ai réussi à bien vider les poches. Je suis tombé à 24 sur 110, donc ça va. Oh, oui. Je vends deux merdiers. Lanterne. Pourquoi j'ai pas pu? Il conviendrait d'étudier ce collier à un atelier de joaillerie, ce faisant vous apprendrez le trait rapide pour les colliers. D'accord. Bon, on va le garder sous le coude. Je vais le remettre vite fait en banque. Ah, parce qu'en plus, c'est pas un random PNJ qui a un background complet. Double Doranos, du coup.
Nickel. Non, mais je savais pas que c'était un Hydra. C'est pas le même. C'est bon. Zerkout. Ouais, parti. Donc là, c'est pour changer l'entièreté du skin, en fait. Ouais. C'est par exemple les fameux sets que tu as dans les pages de style, quoi. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. C'est pour ça que c'est important. Enfin, c'est important. Oh, disons c'est que ça rajoute le plus. Voilà, c'est sympa de les looter, de les récupérer. Parce que ça rajoute le petit plus et puis tu peux faire quelque chose de personnalisé, quoi. Voilà. L'anneau du Saint Holmes. Mais... Non, là. Là, le détailleur et teinturier. Ouais. Et là, l'atelier, là, atelier de tenue. Là-dessus. Ouais. En haut à gauche, tu as choisi la tenue, tu mets tenue 1. Attends, en haut à gauche. Bah, moi j'ai teinture, style d'armure, style d'armes. Ah, d'accord, style de. Ah, tenue 1. Oui, ça y est, j'ai. Et ensuite, tu vas d'un style d'armure. Ah, et tu choisis ce que tu veux. Et tu choisis ce que tu veux, et en fonction de ce que tu as. Et en bas, tu as les ce qu'ils appellent les signatures. C'est... Ah, tu as les signatures. Les skins des personnages importants ou des trucs comme ça. Par exemple, si tu as fait la quête complète, tu as tout le skin du prophète. Où tu le vois, toi? En bas. Tu scrolls sur le côté. Ouais. Tu as les légères, les moyennes. Ah, signature! Ah, tu peux faire la capuche du prophète. Ouais, tu peux faire la capuche du prophète. Oh, mais c'est trop cool. Par exemple, j'ai le corsaire du topal. Je peux mettre un topal. Cuirasse de l'aspirant chevalier, cuirasse de lit. Oh, l'iris titan, carrément, cool. Ouais. Ah, la fameuse armure de la paladine. C'est ça. Et tu peux, donc tu fais tous, tu peux changer les armes en fonction de ce que tu as. Ouais, ouais. Quand tu vas à gauche, tu as l'ensemble 1 et l'ensemble 2. Ouais. Donc, tu peux changer tes deux bâtons. Oh, je trouve ça et trop après, cool. En teinture, pareil, tu les débloques avec les succès et tu peux colorer comme tu veux. Ah oui, et du coup, là par exemple, le 3, il me met le coup, ça fait 5000 pièces d'or. Voilà. Ah, tu peux vraiment mettre ce que tu veux, putain, c'est cool. Par contre, non, il te file pas l'ensemble, tu vois, t'as le châle du prophète. Oui, il faut les looter. Enfin, il faut les débloquer. D'accord. Certains débloquer, certains faut les looter, etc., etc. Oh. C'est pour ça que les livres valent aussi cher. Parce que t'en as certains, ils deviennent fous à chercher. C'est ça. Il y a des livres qui valent plus d'un million de PO. Tu rigoles. Ah non. Celui que j'ai, celui sur la Légion. Ouais. Celui du légionnaire, il était à 1 million 2, je crois, de prix à l'époque. Ouf, 1 million 2? Ouais. Wow, mais. Et tu le vends. Hein. C'est abusé le prix. Tu le vends. C'est facile. Sérieux? Ouais, bah, tu le vends facile. Putain. Franchement, c'est cool. Ah bah, tu vois, au moins, j'aurais appris quelque chose. Vos changements seront pas pris en compte. Oui, bah, t'inquiète pas, j'ai pas envie de claquer 5000 pour ça. Hein. Mais c'est trop cool. Et là, justement des couturiers là et teintures, tu peux le trouver partout, non? Dans les capitales. Uniquement dans les capitales? Ouais. D'accord. Dans les capitales et dans les DLC, enfin dans les extensions. Dans les villes, les capitales des extensions. C'est moi ou Falcat a une esclave elfe noire qui la suit, qui le suit? Non, c'est pas une esclave. Pas une esclave. C'est une mule. C'est Miri, on a tous une Miri, nous. Tout le monde a une Miri. En fait, t'as eu la dernière Miri 2022? Putain, moi j'ai changé de gamme, hein. Je te le dis de suite. Non, mais peut-être que l'année prochaine, on aura... De nouveaux compagnons, ouais. Ouais. Ouais, tout à fait. Je suis désolé, je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit, Pat. Va te reposer, mon poulet. Bonne nuit.
et vive les harmonies. Bah en même temps, un sac à main, ça flotte bien. Tu m'étonnes que tu nages vite. Tu vois, on fait une course. Dans l'eau. Allez, celui qui tombe le plus loin, au fond. Je suis sûr que c'est moi qui l'emporte. Ça sent les trucs louches faits avec les mules. Oh bah, c'est sûr que bon, avec une Myri, c'est sûr que tu vas pas faire un go fast, tu vois. Non, mais elle heal pas mal. Ouais, non, elles font... Non, honnêtement, le système de compagnon, il est vraiment cool. Pour des gens qui jouent, même en solo, pour du PvE, ouais, franchement, ça dépanne vraiment, quoi. Autant tu peux la mettre en DPS, tu peux la mettre en soins, enfin... Elle fait le taf, quoi. Elle va faire le boulot. Ouais. Y'a qu'un tank où ça fait pas le taf, non, pour l'instant. Non, bah, en même temps, c'est un peu compliqué de tanker, enfin... C'est ça. Ça peut être dur. Eh ben écoutez les loulous, nous on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup Falcat pour cette soirée, ça m'a fait beaucoup de bien et c'était vraiment très très chouette. Et surtout on a pris un max de level parce que je suis passé de 33 à 39. J'avoue qu'on a quand même bien bourré quand même. On a quand même bien bourré. Ouais, après là c'est le plus long. 40, 50 c'est le plus long. Ouais mais ça ira vite. Si on bourre la prochaine fois les donjons, pareil, tu vois, où je garde le perso. Ouais. Je pense que ça peut carrément faire, quoi. Ça peut carrément faire. En tout cas, on vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit et on fait des gros bisous. Ciao les canards.